taking a chance, making it happen or fall the rest. I hear the reviews, I listen them say they're fully impressed. Making more money, my happiness less. Took what I love and I put to the test. Everyone saying that they're the one next. I wanna be better than best. I never regret, I never forget anything I've ever done. I'm playing my story from start till I finish. I'm taking this game for a run. I'm checking my funds, I'm thinking the low. I just stay working my lyrical flow. One day I'll pay up, they'll pay me to go and travel the world, straight killing these shows. Yeah, leave me alone. Feeling like my time is always gone. They coming back from work, it's back to working when I'm home. Don't text my phone, I'm in my zone. I play the beat, my mind will roam. It's all just running through my head like in the morning when you comb. Cause heartbreak turns into all the music I make. Good things come from negatives, things change. Good luck trying to stop it, taking action. Y'all just keep on tacking, yeah, you know I'll never give up. I don't quit that easy, people kill trust. Damn, they get so greedy, you can fill up on all the people loving you. But it still won't heal the ones that keep fucking cutting you. Time slows down for no one. This life isn't for everyone. I want to be someone. Stand my ground till my feet turn numb from the love I traded. Fast life forever faded. Old life is outdated. Upgraded, yeah. And pray my music makes it old. Been looking for love, but I don't know if it's the time. I'm focused so much on just making this music. I should be enjoying the ride, no need to remind. I'm stressing inside, I hide it so well that there's never a sign. Can't think of the words, can never define. I put on a smile and tell you I'm fine, and that's the truth. And everything that I've been hiding, I let all out when I step in the booth. You cope with your problems with drugs or addiction, but rap is what I go and choose. Never gonna fill my shoes if you go fill that booze. How will you succeed if you hold yourself back every time your life gives you a bruise? So I move on, wanna get better with every new song. I'm never working backwards, been up all night. I make it look so easy. Sleep is like my paychecks, get it weekly. I'm on it every day now. Never even had the time to lay down. This life ain't what it seems. Running through the prickers, trying to get to somewhere green. It's all a part of chasing what you dream. Oh yeah, yeah. Salut. Oh, j'appelle à ça un. Hop là. Ouais, ça va quoi, bien? Ça va quoi, Thomas, bien? Ouais, premier, ça va quoi, frère? Trust, I'm feeling these girls been fucking me up. I'm sick of the pain, it's killing the love. Can't take it no more, I just number with drugs. They tell you I'm different. They party all night, start drinking the double division. Just listen, what's wrong? Ça va, calme, hein. I'm quick to be catching these feelings. Now I'm just stuck in the cycle of thinking too much. I'm trying my hardest, not giving a fuck. The matter of the things try pulling me down. Shout out to the few to be holding me up. Yeah, music I treat like an addict. Continue to do it no matter I'm rich or I'm poor. They tell me that I got the passion, but damn it, I'm feeling like I need a little bit more. À monter le géant là. Ah, on a fait un coup d'heure en 2 secondes là. On a failli mourir, Trent. Ouais, cool. Tiens, Plus de respect, c'est. Ouais, je. Tiens, vends-moi ça, vois, dis-moi combien il te l'achète le clico, s'il te plaît. Waouh! Ouais, tu la bêtes, tu la sniffes pas. Hein. T'es sûr, je peux pas. Non, tu un peux peu. Pas. Un tiers. Non, tu peux pas, non. Eh, hey, renvoie les clés, gros, c'est ça casse la tête. Non, si je trouve un client dans le quartier, j'essaye. Ouais, ou je m'en fous, où tu veux. Autre chose, t'en es où dans tes payes et tes histoires de la belle et tout, là? Elle est partie. Passe à l'hôpital après, hein. Oh, les gars, venez, on trouve un client. Mais trouve, c'est bizarre. Ah, viens, on tourne avec lui. Bah oui. Oh. Il est pas bug. Putain. Waouh. Iche le téléphone. Iche.
Alors. Ah mais ce con de Yao il m'a pas envoyé son numéro, en fait je peux pas l'appeler moi. On va lâcher dans nous-mêmes, c'est pas grave. Le plus gros problème qu'on a en termes de trucs là actuellement c'est les balles. Vu qu'on passe notre temps à faire des drive-by. C'est juste les balles qui. Allo? Allo? Ouais. 19$ chef. Allez, bien vu. Bien vu. Bien joué. T'as vendu un pochard, t'as 8 sirènes mon frère. Ouais ils ont réglé les sons quand même. Oh on est chaud. Alors putain. Ouais, faut trouver des munitions. Ça devient assez urgent. Eurolanium, il a de bien. Yoto, ça va quoi? Ouais, une moto. Ça va, Yuri ou quoi? Bien. Ah, voir, on fait aller. Hein. On fait aller, on fait aller. Ah, mon bot il s'est lancé tout seul, j'aime pas eu besoin. Après. Hop. Ouais. Ouais, les mains bien. Ouais, mon gars. Ah, quoi? Tranquillement, tranquillement, et toi? Ah, ouais, bien, on marre, ouais, bien. Ça fait quoi dans le boss? Ça raconte quoi? Ouais, rien, tranquille, ça se bat. Enfin, on est toujours bas chez soi, donc bon, connais. Ça fait quoi, vous? Ah, ouais, putain, c'est de la merde dans ce magasin. Cherche un truc en particulier? Non, je fais le tour un petit peu des magasins, là, tranquillement, tranquillement. Y'a une pizzeria derrière qui est pas trop mal. Des bonnes, ah ouais, pizzas qui, ouais, qui mettent bien derrière. Ouais. À combien? C'est 15$ la part, mais. Putain. Mais bon. Là, c'est le ah bon, oui, 15$ hein, la part. Non, non, 15$, ah ouais, la, 15$ la pizza. 15$ la pizza. Ah ouais, ok, ça va. Après, t'as des parts de pizza aussi. Ouais, après, c'est de la bonne pizza. Ça, ça calme bien. 15$ la pizza, putain. Ça fait cher, ça fait cher. Oh, si c'est une grosse pizza, ça va, tu vois, mais bon. Mais c'est Trent, ça, non? Ah, ouais, c'est moi, c'est moi. Putain. T'es même pas reconnu sur ton. Sur ton bandana. Ah ouais, ouais, bon, je le mets pas tout le temps, c'est comme ça. J'ai dû le perdre la dernière fois qu'on s'est fait tirer dessus, tu connais. Ah, ça s'allume, ah ouais, ça y est. Ouais, bon, tu. Ah, les bandits, les bandits. Tu me dis ça y est comme si c'était nouveau, tous les jours. Ouais, non, c'est vrai. Repasse c'est vrai, dans 2 heures, il va y avoir un mec qui va arriver en moto. Ah, ça va, t'as un cuir, du coup, toi t'es tranquille, tu vois, il va voir, il va dire bon. Mais, bon, un afro devant chez nous, reste. Il est pas bon, hein. Ah ouais, ah, à ce point-là? Ah ouais, ouais, ça rigole pas, là, ce temps-ci c'est chaud. Avec les H-Bucks là, c'est la merde un peu. Mais ça va, ils t'ont loupé. Oui, mais non, de toute façon, moi j'évite les balles, mais. T'inquiète, ah là non, là. Non, moi t'inquiète, je suis toujours le dernier debout, pas de problème. Mais bon. Bon, bah ça se passe les affaires, ça va comme tu veux. Ça va mieux, hein, ça va un peu mieux là. Ok, cool alors. Cool, cool. Ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas la joie pour autant. Mais ça va un peu mieux. Ok, bah tant mieux alors, tant mieux. Et toi de ton côté? Bois, on roule pas les sur les ennemis le... t'ont loupé, tout va bien. Ouais, ouais, déjà je suis en vie, tu vois. À partir du moment où je suis en vie, déjà c'est une bonne journée. Mais ouais, ça va en vrai, hein, on fait avec ce qu'on a. Je te cache pas, je suis à court de munitions des fois, c'est mon plus gros problème. Ah ouais, là, tellement ça débite. Ouais, sans déconner, c'est chaud. Parce que t'es obligé de leur faire comprendre comme ça, ces enfoirés. Ils comprennent que comme ça, ces enfoirés d'Ashbuck là. Ah non, non, mais bon. Nous ça va, ouais, on a des trucs à droite à gauche, mais ça va. Après, vas-y, je te cache pas, c'est pareil, après, pff, comment dire ça.
Il est compliqué de se faire des contacts en ville qui peuvent apporter des trucs à l'heure actuelle, en fait, surtout ça, hein. Faut pas se mentir. C'est-à-dire hein. Bah, les gens, t'as besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de bah, pff, n'importe quoi, en fait. J'ai pas besoin d'un truc en particulier, tu vois. Mais qui a un pouvoir d'achat ou une boîte ou un truc qui peut te permettre d'avancer, tu vois. Là, pour moi, c'est tu dois rater les fonds de tiroir, quoi. Ah bon, bah ouais, mais c'est, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Ouais, hein. clairement. Tout le monde a à peu près le même stade. Faut trouver la poule aux œufs d'or. Ouais, mais si elle existe. Ouais, elle doit exister. Il y a toujours des mecs qui étaient toujours là où il y a des gens qui galèrent, il y a toujours des mecs qui sont bien, t'inquiète pas. Ouais, ils sont bien cachés alors. Hein. Ouais, mais je suis sûr qu'il y en a. Vas-y, du coup, force à vous les lords. Ils étaient pas mal. Ouais, force. Vas-y, mon frère. Ah, d'ailleurs, Trent. Ouais, beau gosse. Et peut-être là, je fais le quinri là. Ouais. Mais peut-être ce soir, on a de l'exta pour toi si ça t'intéresse. Faut voir à combien tu me la sors derrière, à combien je la vends derrière. Mais tu la revends en 15. Ok, et toi, tu me la vends combien? Je sais pas, faut que je fasse mes calculs là. Vas-y, bah tu me dis, t'as mon numéro, hésite pas. Ouais, t'en faudrait combien dans l'idéal? Bah ça dépend du prix. Ouais, c'est toujours pareil, mais. Pareil. En fait, c'est ce que je te dis, tu vois, c'est toujours pareil. Je suis en galère de thunes. En fait, chaque sac sous que je sors, je vais te savoir à l'avance comment ça va être parce que bah. Ouais, non, mais je. Non, t'inquiète, je comprends. C'est pour ça que je peux pas te donner un prix là tout de suite parce que faut. Ouais, je sais. Faut que j'épluche les comptes. On a les mêmes problèmes. Tu me dis. Ouais, ça va, yes. Parce que c'est un peu moins de la merde que qu'à mieux, l'époque. Tant mieux. Mais c'est toujours un peu de la merde. Ouais, vaut mieux un peu de la merde que pas de la merde. Ouais, vas-y. Force à vous les man. Vas-y, force. C'est notre oracle celle-là là. Vous voulez que je les insulte ou... Je vais les baiser. Et je vais les fumer. Allô. Ouais, c'est qui se balade avec l'oracle là ce soir là. L'oracle, je sais pas. Eh, parce qu'il y a un vieil. T'es en shop? Shop, ouais. Ramène-toi devant la pizzeria, c'est bon. Bon. Pizzeria du Bronx. Pizzeria du Bronx. Vas-y. Allez. Frère, les mecs qui laissent les voitures comme ça, ça va les... Non, j'ai bien faire le... j'avais envie de dire le truc en entier, t'as vu, mais ouais. Putain, y'a pas, wesh, à laisser les... Y'a pas, wesh. On peut la pousser, la chop, ou pas? Alors... Bon. On peut pas. En plus, là, c'est vrai. Ah yeah, c'est bon, laisse-moi tranquille. Alors. En fait, ils ont juste. Elle est pas morte, il y a juste pas d'essence, on est d'accord. En gros, là, c'est un problème d'essence, non? Elle a l'air en bon état, la caisse. Je devais acheter à boire de base. Ah, excuse-moi, est-ce que tu vois, mec? Mec. Ouais, bien. Mec? Ouais, je t'écoute. Excuse-moi, tu sais où est l'auto-école? Ouais, c'est de l'autre côté du Bronx là. Là, t'es plutôt sur la côte ouest, c'est du côté est. Tu peux monter? Moyenne. Yes. Ah, bah, nickel, moi je te remercie. C'est bien vu, hein. Allez. C'est toi, man. Ton perso, c'est gentil, merci. Mais pourquoi il ouvre pas son GPS? Arrête, je m'en fous, tu vois, ça fait du RP, mais mon GPS, mon frère. Qu'est-ce que tu me... C'est quoi ça? Croquette. En vrai, c'est un crap qu'ils aient mis foutre. Bon, y a un truc qui sert à rien dans le RP pour moi, mais pneu. Ok. Même dans mon quartier. Et je crois que je vais un soir, je vais me faire chier. Je vous jure. Je vous jure, je vais juste faire le tour de tout le magasin, on va prendre tout en screen, on va tout noter sur un papier, en mode de, comme ça on connaît tout le magasin de la ville. Alors, tac. On prend 10, que la vie c'est compliqué. Oh, ça met quoi, ça fait quoi commercial dans le chat? C'est la
pub, non? C'est la pub, non? Mets ta croquette, mon gars. Pas quoi ça va servir, mais... Allô? Ouais, t'es où? Ouais, t'es où? Je suis au magasin de vêtements, là. J'ai besoin de toi pour un truc depuis tout à l'heure, t'es sérieux? J'suis avec Triga et tout, donc tu connais. Je leur dis dans la pizzeria et ils vont changer. Et vas-y, j'ai... Tu leur as dit que c'est moi qui t'ai appelé? Vas-y, vas-y, ça va rien, la vie de homme. Terrible. La vie de homme, c'est je vais les tuer. En RP, faut que je leur fasse des trous, des coups de pute, j'ai juré. Je faire... Ouais, me dit ouais. Ouais, ouais. Et où, là, tout à l'heure, je te. Ouais. Ouais, j'étais à l'hôpital pour voir pour mon plâtre, je l'ai encore pour 2-3 jours, là. Ok, ok. What the fuck, j'ai une notification sur mon téléphone, il m'a niqué l'oreille. 2-3 jours, ah ouais, c'est là, tout à l'heure. Ah ouais, ouais, casse les couilles. Et autre chose, et ouais, et ouais, du vas-y. Coup, t'es au magasin de vêtements chez les Crips, là. Ouais, ouais. Et ils commençaient à venir à plusieurs, là, ça sortait des marteaux et tout, du coup, on a le temps de se barrer, mais voilà. Après, quoi, normal, hier. Bah, normal, normal. Mais ceux qui sont avec toi, t'es avec qui, là? Ten, Sco et Funko. Ouais, bah, normal. Ils sont censés savoir pourquoi, je sais pas pourquoi ils sont bourrés, mais. Oui, mais ils m'ont expliqué vite fait, mais. Ah, ok, vas-y, bah, après, quoi, normal. Je veux pas. Ouais, Trent, allô? Ouais, attends. Mais. Attends. Viens au Bronx. Mais. Comment j'arrête de faire ça? Je voulais même pas monter dedans! Mais comment je sors? Putain. Ouais, je t'entendais plus. Ouais, viens au Barachat. Barachat du quartier? Ouais, vas-y. Salut Trent, ça va bien? Ouais, bien, ouais. Il fait quoi ici tout seul? J'attends une caisse parce qu'ils servent à rien les autres. Tu veux monter dans ma baie? Ah, m'en fous de ta truc. Ils sont en train d'arriver. C'est bon, tu vas t'en dire maintenant? Même tu es là avant nous. Et vas-y, suis-moi, Ketchup. Ils ont 4 de tension, je vais les canner. Alors, et c'est qui l'abruti qui a laissé la racle ici avant? Je m'énerve, c'est qui, vous savez ou pas? Non. Ça m'étonnerait que ça soit quelqu'un du quartier. Mais tu peux pas la déplacer. Non, non. Parce qu'hier je l'ai mis sur le parking hier. Ouais, mais des fois, il y a des mecs qui la prennent et. Elle est bien fermée. Je pense qu'elle a plus d'essence, je crois, donc à mon avis. Elle est plus le Saint-Bert. Tract un coup. Tract toi-même. C'est à toi de la mettre, la corde. Oui, enfin, je sais, mais quand j'ai fini. Merde. Ah putain, mais. Comment ça marche? C'est trop fort. Attends, j'arrive pas à l'accrocher. Cache-cache, aide-le là! Attends, mais cache-cache, il fait tout en deux pieds là! Il est parti avec un scooter! Prends un truc à la hauteur de tes ambitions, Trent! Mais. Je suis nul! Ouais, non, je veux que tu l'accroches, mais j'arrive pas, j'ai la flemme de ça à mon tour en dessous là! Je suis au quartier là! On t'attache, je suis con! On est dans la rue de du Burger Chat! Ouais, c'est bon hein! Vas-y, c'est pour voir, vas-y! Mais non, mais. Attends, j'ai la carte. Attends, laisse-moi le faire. Mais putain, mais. Faut qu'on sorte. C'est bon. Un moyen. Dans la pluie, ouais, merde. Bon. Ah ouais, putain, je suis pas manuel moi. Attends, je vais monter dans la rage, voir bon, si. Bon, Carty fait un choix. Allez-y. Vas-y, go à la station essence. Allez loin la station. Oh non. Lâche le frein à main. Et c'est pas moi!
Je pense que c'est lui qui doit nous tracter. On va péter nos pneus, Ils ont travaillé, Ouais. Une accorde du mauvais côté. Putain. Mais je conduis. Mais non, mais voilà. Ah, c'est moi, je suis trop lourd, t'es en train de me dire. C'est moi, je suis trop lourd. Ouais. C'est moi, je suis trop lourd. Ah ouais, la voiture. Trop lourd, trop lourd. Mais moi, je suis trop lourd, moi. Ah non. Putain. Allez, donne tout ce que t'as, donne tout ce que. Non mais, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, mais arrête, mais arrête. Mais fils de pute, ma caisse. Mais tu vois pas, y'a des voitures. Eh hey, mais vous servez à rien. Comment ça, oh. Mais putain, mais volant, attends, attends, t'inquiète, je vais faire marche arrière. Mais comment ça marche arrière, la voiture elle est devant, comment tu veux ça marche. Oh t'as pas... Oh toi t'as pas... Oh toi t'as pas fait un master d'astronomie enculé hein. Eh salope, bouge toi de là toi. Oh là là, ça va mal terminer, ça va mal terminer. Ça va mal... Ça va mal finir. Ça va marcher. Ça marche pas, t'es nul. Tire. Attends, tu me cries dessus encore, je vais te niquer. Eh dépêche-toi, dépêche-toi. Oh là c'est bon. Allez, donne tout ce que t'as. Eh cache, cache, pousse, cache, cache, pousse le bowler. C'est bon, on est parti. Oh là là, oh là là, oh là là, oh, oh je vais mourir. Là, vite, je vais mourir. Oh là, ça. Oh là là, oh là là. Faut que tu conduises aussi. Oh là 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 là. Tourne, tourne. Mais comment ça tourne, tourne, y'a un kawa. On va mourir, on n'arrivera jamais à la station essence. C'est bon, t'inquiète, t'inquiète. À gauche. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh la poubelle. Waouh, waouh. Waouh, non, non. Waouh, waouh. Oh la dingue. Attends, arrête, 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 arrête. Faut que tu détaches un des fils là. Y'a un petit problème de fil, les gars. Oh, tu t'as. Allez. Arrête, t'as accroché le fil sur le poteau. Mais non, ça passe pas. Écoute ce que je te dis. Allumez le moteur. Faut allumer le moteur, ouais. Ouais, ça va bien, et toi? Ça va super, je suis en train de voir. Oh, faut allumer le moteur de l'oracle. Attends, quoi là? Mais allume le moteur. Mais il est allumé. Il y en a un qui enlève le fil. J'ai plus d'essence, c'est tout. Enlève l'autre fil, tu l'as attaché au. Oh là là. Enlève un des fils. Je sais pas moi, attends. Enlève le fil. Oh sa mère. Mais enlève le toit, Kesh, tu l'as fait. Ah là c'est bon, non, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, c'est bon là. Oh c'est plus bon, c'est plus bon, refais. T'es habillé comme 7 en plus, tu dégoûtes. Qui est habillé comme 7 là, je vais m'énerver. Qui dit Rose. Oh là là. C'est n'importe quoi. Oh, oh j'ai enlevé les fils. Eh c'est Kirti avec son crâne chauve. Toi, tu veux que je te fume en fait? C'est le plus beau plaisir que j'ai jamais vu. Je te fume, mais non, mais je crois qu'il avait un flot de fou. Ouais, ouais, bah j'ai un flot de fou. Ouais, ça va, mon gars. Quelque chose aussi à lui. Eh, roule, roule, roule. Hein? Un cache aussi. J'en ai marre, j'en ai marre. Réparez-moi mon oracle. Ça va quoi, Tren? Non, ça va pas. Mais j'ai des mille contacts, bordel à queue. Tu es dégoûté. Je vois, mais. Yo, vous foutez quoi là? Mais je crois que je freine! Eh, vous êtes drogué ou quoi? Et qui c'est qui. Eh, qui... hey, toi, le SDF me parle pas! Yo, il est dégoûté, il arrive pas à faire ce qu'il veut! Putain, oh là là, oh, je vais mourir! Pardon, madame, pardon! Aïe! Mais il peut pas tourner! Mais toi aussi, oh là là, je vais descendre! Eh, je n'ai pas l'habitude, c'est bizarre! Vas-y, roule! Oh là là, oh là là! Eh, ah, eh, c'est... eh, l'autre... eh, l'autre bowler tire-moi, l'autre bowler tire-moi aussi, ça y est, tirez-moi à deux! Peut pas, pas si peut, on pas. Peut. Peut pas, peut vas-y, pas. Vas-y, essaye, essaye, essaye. Essaye, mais ouais, ouais. Dinguerie quand même. Attends, hein. Attends, maman. Je vous préviens, si je meurs, je vous tue. Putain, il pleut en plus. Ouais, mais on risque de mourir. On risque de perdre l'oracle et tout. Attends, 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 je monte, attends. Non, mais à une voiture, on n'arrive pas, donc faut y aller à deux. C'est logique en fait. Mais fais ça doucement, fais ça doucement, fais ça, voilà ça. Non, mais arrêtez, arrêtez. Mais conduisez bien. Conduisez en main, mais soyez coordonnés. Mais faites un travail d'équipe. Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous n'allez pas au garage? Faites un travail d'équipe. Et c'est, on a besoin du plein, pas du garage. Oh là 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 là. Mais le garage, il vous met du plein d'essence. Ah ouais? Mais oui. Mais de toute façon, c'est en haut quand même. Et soyez coordonnés. Qu'est-ce que je pousse la voiture devant là? Sinon, je pourrai pas avancer. Allez, vas-y, c'est maintenant. Voilà, là, c'est maintenant. En même temps, même coup d'accélérateur. Ensemble, à droite. À droite, à droite. À droite, pas à gauche. Allez, la roule. Mais putain, mais... Ma mère traîne, fait un régime. Faut arrêter les burgers, là. Mais comment deux bowlers peuvent pas tirer une oracle? C'est vrai. Regardez, regardez.
Marche arrière et on fonce. Eh, faut être coordonné. Attendez, on fait un décompte. Oh là, mais c'est pas assez coordonné, les man. Non, ouais, là c'est bien, là c'est bien. Okay. Vas-y. Oui, c'est bon. Ok, garde le moral. Mais non, arrête. Aïe, arrêtez. Il a tout baisé. Putain. Faut sortir train de la voiture. Appelle la mec. Aïe. Oh, bande de fils de pute. Laisse la corde qu'on retourne. Ah, fais chier. Appelle la mécano, bordel. Plus jamais Curti fait quelque chose, hein, vraiment. Mais pourquoi c'est Curti qui conduit aussi? Oh non, mais d'accord. Tu veux quoi, toi? M'énerve pas, je vais te monter en l'air. M'énerve pas, fils de pute. Tiens. Hein, toi, voilà. Tiens, enfoiré. Je suis déparété, gros. T'as tout démonté. Eh, t'es vraiment. Eh, je t'ai vu, c'est toi, t'es pas conduire. Mon frère, pas ta gueule, c'est qui va la payer, Lorax, c'est toi. Mais je vais faire quoi? On perd de l'argent à cause de tes conneries. Gênant. Oh putain, en plus, ça peut être mec. On va mourir, oh là là, dinguerie. Bon bah, force à nous. Quoi là? Les médecins, on est là, qu'est-ce qui se passe? Salut. Madame, j'ai mal. Oui, bonjour, mais il se passe bonjour. Quoi? Bah, il s'est passé qu'ils se sont fait des accidents. C'est pas l'auto-école, hein? Oui. Excusez. Ah, les gars, juste poussez-vous parce que la voiture va se retourner d'un coup. Hein. Ah, misère, c'est dangereux. Dangereux, oui. Oui, allez. Tapons-nous. Oh, c'est le monstre, madame, c'est le monstre. Oh, ma caisse, oh, ma caisse, oh! Oh là là, une voiture. Oh ma caisse, oh, c'est terrible. Oh, le film d'horreur. Il a abîmé. Par contre, lui, ça tracte pas mal. Mais ouais, mais c'est mais il est mécano, lui. Il est pas mécano, lui. Hein. Regarde comme il craque. Qui tracte des voitures comme ça? Ah, voilà, c'est ghetto. Eh, l'oracle, elle va être décapote à moi. Moi. Oh non, il faut redonner ma capote si vous clavez. Oh là là là. Mais personne n'a votre capote, mon dieu. Ah oui. C'est qu'à la boire là. J'ai donné la. Ah merde. Il est où le voleur, les mains? C'est celui-là là? Non, c'est celui derrière. Venez, monsieur, je vous soigne. Non, en gros, on tractait l'oracle. Vous êtes tous malades. On tractait l'oracle et moi, il y a eu des à-coups et je me suis pété. Enfin, pété, c'est un gros mot. Je me suis tapé la tête et je me suis mangé le siège de devant. Oui, je vous ai dit. Kane. Combien dois-je voir? Ça dépend, je compte celui levé ou les autres. À bord aussi. Ouais, prends sur moi. Vas-y. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'attends. Bon, ça sert à quoi d'être dehors? Monsieur le médecin, votre collègue est absente. Attends. Ouais. Tu vas y arriver avec la caisse, man. Bah attends, je vais essayer de la tirer d'un coup. Faut réparer le boleur aussi. Bon, soit il y a un temps en moins. C'est la merde, man. Le moteur est fou, ouais. Comment vous avez fait, les gars? Eh, man, me pose pas de questions, j'ai failli mourir, j'en ai marre de ma vie. Ah là là, vas-y, laisse-moi les clés des deux véhicules, de toute façon, vous êtes des Niners. Ouais, mais de toute façon, je vais pas bouger, je reste là, pas de problème. Ah, ok, bah je sais pas, le temps que je les répare. Non, mais on verra, mais quand on est là, t'inquiète. Le temps que tu les restes, je suis à côté, de toute façon, t'inquiète. Ah, si je laisse les clés, si je bouge. Bonsoir. Salut, ouais. Oh la dingue. Un petit mouchoir, moi j'ai. De l'eau de pluie, il vous la mettre sur le front. Bah qu'est-ce non. Qu'est-ce qu'il raconte là? T'as vu? T'as vu le médecin pour faire ça? T'as vu le comment c'est pollué? Laisse tomber. Oh ouais, bon alors là, allez hop. autant vendre l'eau de son bain. Hein. Oh oui, attention ma titine. Il faut faire le. Casser ma titine. Mais du coup, docteur. Oui. Si vous avez rien, vous faites quoi du coup? Mais moi je peux vous soigner. Bon bah voilà. Ah bah. Ma merde. Le Bronx c'est vraiment la merde. Hein. Oh. Ouais. Mais de Hunt, on a besoin de renfort. Oh mon dieu. C'est grave. Fin zo. Et bah t'as un coiffeur juste à côté du parc. Ok, c'est bon. Tu vas là-bas, c'est Monsieur King le patron. Ok.
Je viens de ta part, non? Non, pas spécialement, je le connais même pas personnellement, le gars, t'as vu? Ok, bah, attends, parce que lui, il va me saouler, là, c'est notifications. Ouais, merci. Y'a pas de quoi, vas-y. Bon courage avec cette voiture. Merci bien. Tu peux mettre le bowler à l'intérieur, s'il te plaît, mon pote? Ouais, pas de problème. Tu veux pas que j'essaie de le retourner avec le bowler, le truc? Bah, c'est ce que j'allais te demander, en fait. Attends, je vais décrocher la corde, par contre. Ouais, vas-y. C'est bon? Il répare? Bah, il faudrait déjà qu'elle soit retournée à la caisse pour réparer. Oi, oi, oi. Les histoires, tout ça parce qu'il y a des petits cons qui ont laissé la chop comme ça. Le pire c'est que je l'ai fermé hein. Vas-y mon pote. Ça va être compliqué mais on va essayer. Je pense hein. Ma pauvre oracle. Mais pousse-toi. Oh là là lui. Un cerveau. Non ça marche pas. Évidemment, il y a l'autre chop qui se met devant. J'en ai. Norman, elle est en train de prendre, fais attention. Oh, j'en ai marre. Pourquoi il a conduit l'autre? Attends, putain. Juste bouge le bowler. Bouge. Adieu l'oracle. Mais adieu tout en fait. Pourquoi? Vas-y, bref. Prends un extincteur. Vas-y, arrête de faire genre le mec t'as un bad boy alors que t'as tout cassé, arrête de faire genre. Mais comment ça je vais faire quoi? Arrête de faire le bad boy. Mais qu'est-ce que tu parles de faire quoi? Ça brûle là-bas. T'as des thunes? Y'a des extincteurs. C'est toi qui avais le volant alors. Mais c'est pas moi qui a conduit, je te le dis. C'est toi qui avais le volant quand les proches sont sortis. Je te dis que c'est pas moi qui a conduit. Et bien peu importe qui c'est, celui qui a conduit c'est un trou de balle, je m'en bats les couilles qui c'est. Ah ouais, bah c'est Trigger. Et bien c'est un trou de balle, je m'en bats les couilles de qui c'est. Bah on va régler tes comptes avec lui. Mais est-ce que je te parle à toi? Est-ce que je suis venu te parler? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'es un baiser toi. Est-ce que j'ai dit Curtin se faire depuis le début de la soirée? Bien sûr que si, tu l'as dit. Mais t'es un baiser dans ta tête, je m'en bats les couilles de ta vie. Bah alors, ferme ta gueule alors. Mais t'es un malade toi, les deux chops. Ouais, vas-y, j'y vais avec toi. On va essayer de la retourner maintenant, les mecs. Vas-y, t'es un trou de balle. Tu vas bouder? Mais je m'en bats, arrête de me parler de bouder, j'ai pas ton âge, j'ai pas ton âge. Ah ouais? On est bien y voir. Bah, on en a environ 7000. La supérette, c'est. Tout droit, pas la prochaine, la deuxième. Oui. Ensuite, vous tournez à gauche et vous allez tout droit, vous allez voir et c'est écrit grosserie. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est force à vous, les docs. C'est merci, comment merci. C'est toi qui conduisais là ou c'est Gerti? C'est Gerti. Dis-moi premier degré. Gerti. Ah bon, vraiment? Bonsoir. Bonne soirée. Je sais pas c'est toi, peu importe qui c'est, que ça soit toi ou lui, mais vraiment vous avez déconné là parce que les caisses ça va être une galère. Tranquille, man. Non, c'est pas tranquille. Non, ça c'est. Chill, mon gars, chill. Je suis pas chill. Vous m'avez déjà fané. Ah ouais, ok, d'accord. On va voir qu'on aura besoin des chops et qu'on les aura pas. Ça te fait rigoler. C'est rien. Ouais, bah ouais. Ouais. C'est léger. Payer $500 pour les chops, tu vois, c'est léger. Hey, Gerti, plus jamais tu conduis, hein, c'est simple. Hein. Comment ça tu commences à me faire une réputation là? Je suis meilleur conducteur que toi. Là, tu l'as prouvé encore une fois. Oh. T'es une merde. Tu sais pas conduire. Même tracter une voiture, t'arrives pas. Libérez-moi, faites une émeute à l'aide! Mais quoi là? Oh là là. Lui c'est très grave lui. Hein. Attends, faudrait essayer de taper sur la bagnole qui tracte et sur lui, le dépôt c'est... Pendant qu'il la tracte. Oh là là, oh il a réussi! Oh le génie! Mais attends, mais c'est qui en bécane là? Attends, c'est qui a volé comme ça là? C'est mon abruti de frère, je crois. Le Bronx c'est venu n'importe quoi. C'est un génie le mécano à la fin. Bah, c'est ça le mécano de Bronx. Hein. Ah, ghetto, hein. Et le mécano il conduit. Le mécano il. Mais quoi? Bien vu là, une carrément gang. C'est une voiture ça? Galère hein, mais. On va avoir 3 minutes de voiture réponse. Ça? Bah ouais. Putain. Mais non, mais c'est pas grave, t'inquiète, les gars, c'est pas grave. Elle a pris feu hein. C'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Et vous croyez c'est marrant, genre en plus. De trop de balles. Après il pleuvait, je pense, c'est pour ça. Et je vais. Eh vas-y, je vais faire un tour moi. File la chop. Bon les gars j'ai détruit une partie du quartier mais la voiture elle est sauvée. Ça va, c'est le principal. Le quartier est déjà délabré de toute façon. Vous voulez que je fasse le bowler en premier comme ouais. Ça vous avez une caisse. Ah là là, encore une raison de s'embrouiller en RP. Je voulais une moto.
Moto me paraît mieux. Du coup. Arrête-toi. T'as le droit que ça. Bah j'ai dit merci mon frère. Tu veux que je fasse quoi? Vas-y, j'ai un truc à faire. J'ai envie de te parler. Et tu vas encore me dire c'est Curtis. Je m'en bats les couilles, qui c'est. Juste, on n'a pas. Moi, je m'en bats les couilles. Oh, parfait. Alors, si tout le monde s'en bat les couilles, viens. Pourquoi tu me parles si t'en bats les couilles? Faut qu'on aille voir les noces là. Eh ben, va les voir. T'as besoin de moi. Va avec ton père. Va avec Curtis. Mon père. Attends, tu me parles encore comme ça. Je te jure, ça va finir. Mais tu me parles de quoi, toi? Va avec Curtis, c'est tout. Tu vas avec Curtis et bats les couilles. Moi j'ai un truc à faire aussi. Fais pas le mec. Eh vas-y, arrête de me dire fais pas le mec, tu vas rien faire. Tu vas faire quoi? Tu vas retourner l'autre voiture, c'est ça? Je sais pas qui conduisait, mais c'est une honte, c'est une chèvre. Vous êtes des chèvres, vous montrez l'exemple, on dirait. On passe. Vous êtes des chèvres. On est des gouttes, toi t'es une salope. Je suis une salope, en attendant, moi je peux vous montrer l'exemple, t'as vu? Vous êtes là, vous cassez les voitures devant tu les fuis, petits. Tu fuis, t'es responsabilité. Mais responsabilité de quoi? Tu sais pas conduire, mon frère. Je conduis mieux que toi. Non, c'est vrai que je sais pas conduire, ça c'est vrai. Mais j'ai d'autres qualités. Vas-y, cite-moi 3, vas-y. Je suis intelligent. Je suis entreprenant. Et je suis pas égoïste. Mais ne pas être égoïste, c'est pas une qualité, hein. C'est-à-dire que t'as pas le défaut égoïste, hein. Connard. Bref. Comment je suis pas un connard. Je m'en bats les couilles de ta vie, je vais faire un truc. Va voir les lots si tu veux, tiens-moi au courant, vas-y. Je m'en fous de ta vie, moi, je m'en fous de ta vie. Ok, ça marche. Moi, je m'en fous de la tienne. J'ai juré, débrouille-toi, mais paye pas 20 000 $, c'est tout. J'ai payé 20 000 $. Ouais, bah paye 20 000 $. Fils de pute, viens ici. Je suis toujours le solo. Bah écoute, je fais le solo, on va les couilles. Et c'est qui les blues? Non, on n'est pas les blues. Putain, faut que je trouve une moto! Oh là, ma moto! Donc quoi la haine sinon? Putain, je suis KO sa mère là. Ouais, non, je dis je suis KO, mais je suis pas tant KO que ça. Oh là là, il pleut le. Game. Oh, c'était marrant là, c'est. Ah, il y a une moto là. Parfait. On va aller faire un tour, on va aller chez le coiffeur. Tranquille. Désolé. Ouais, encore. Là, je suis en chuchotant. Après, comme j'ai dit, ça va arriver. Après, je joue off stream. Là, je suis en D3. Là, on monte tranquillement jusqu'au master. Là, on est en D3. Donc, non, c'est pas vraiment un set des blues. Il y a une commande, je crois, pour expliquer. C'est quoi la commande? Pas vraiment un set des blues. C'est un set de Niners. Hop. Cool, ils ont géré ça. Là, c'est cool. C'est quoi la commande? Roland, c'est quoi la commande pour le clip où j'explique là? Voilà, merci, merci Hugo. T'as vu ça Hugo ou pas? Mais j'avais enlevé les notifs en fait, pourquoi ça marche pas? Ah, parce que j'ai pas enlevé les bonnes, je suis un trou de balle. Alors, on va essayer d'aller trouver un mec à Chinatown qui fait partie des Wuzang, je sais pas si je vais y arriver. Il y en a combien sur le serve? 150. Ouais, peut-être tout le monde. Hein. Non, c'est moi, elle bug pas là. Elle bugue un peu au début, le temps que ça soit fixé, mais là c'est bon. Tu lui as rendu la question. C'est temps de ne pas mourir là. J'ai bien drifté. Je sais pas, il m'en met encore.
Ouais, Funko, ouais. Vois avec ceux qui sont dispo pour faire un petit service de, je pense, de burger shot là. Si tu vous reste des burgers, y'a du monde qui cherche des fast food et tout. Ouais. Vas-y, bien vu. Non, mais tout le monde part. Bah, ça, c'est un autre problème. Ah, les gars, est-ce que s'il y a des gens qui sont chauds, go faire du stock pour le burger shot, y'a Train Team J. Ouais, le faire tourner après si vous avez la foi. S'il y a des gens qui sont chauds, il faut aller faire du stock pour le burger shot, Train Team. Et le faire tourner après derrière, tu vois. On peut avoir de la thune ou pas, Train, s'il te plaît? T'as pas Triga et quartier avec toi? Et bien, ils vont voir les Lost là, ils m'ont dit. Vas-y, je vais arriver au quartier pour. Et commence à. Au pire, annonce que ça va ouvrir dans 10 minutes, tu vois. J'arrive. Vas-y, vas-y. Ah, mais non, mais parce qu'on passe le stock, ça risque de prendre plus de temps. Vas-y, bah. Il en restait pas du stock de base? Je sais pas où il est. Bah, demande à. Vois avec nous et rappelle-moi, j'arrive. Vas-y. C'est où chez les Ouzang, je sais même pas. Tout le monde demande un resto, c'est dommage qu'on ait pas ouvert le bar shop. Hein. Pourquoi il nous cet enfoiré en fait? Ah, il y a un petit freeze. Bon, un freeze ici. Alors, lost. Là. Ouais. Alors, ouais, t'inquiète, pour l'argent, c'est bon. Ok, il faut qu'ils ouvrent vite parce qu'il y a plein de monde qui monte des réseaux. C'est maintenant qu'il faut ouvrir là. Ouais, vas-y. Sur Twitter et tout, faut vraiment que ça ouvre maintenant. T'as vu les lost, c'est bon ou pas? Non. Et bah, vas-y, je vais passer, j'ai fini ce que je voulais faire. Ouais. Pas mal alors que j'ai. En fait, on est tous les deux OG. C'est vrai, l'intérêt du groupe, c'est qu'on est trois gradés qui du même grade et on fait que se foutre sur la gueule en fait. En gros, l'idée, c'est ça, tu vois. On est trois OG en fait. C'est un peu l'idée du groupe en fait. Et on se fout sur la gueule, tu vois. On est pas trop d'accord. Oh, ça l'idée. Comme ça, on a des embrouilles entre nous, genre. Ouais, Trent. Ouais, t'es chez toi avec les man là, c'est ça? Quoi? Et tu parles avec les man de chez moi ou pas? Non, négatif. Ok, bon, je sais pas, il. Ok, bon, peu importe. Je voulais savoir pour les mines comment c'était possible ou pas, parce que là, ça commence à urger pour nous de notre côté. Ouais, là, c'est bon, j'ai la solution. Je vais voir ça. Là, j'ai un petit truc à régler avec l'avocate et après, je te rappelle. Vas-y, bien vu, mec, merci. Vas-y, bien vu. Hop, on va faire ça.
Débloque 500 dollars pour les deux caisses là. Vas-y. Dis-moi, il reste combien? Ouais, Young. Allô? Ouais, tu peux te voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me chercher ou pas là? Oui, je vais arriver, dis-moi où t'es. Je suis au PDB à côté du record. C'est lequel celui-là? Celui qui est centre-ville? Et à côté du label, à côté du label. Il est où le label? Sur la petite île de merde au milieu là où il y a le cimetière avec le daron. Ah ouais, c'est... je vois. Ok. Vas-y, je fais un truc en vitesse, j'arrive et go vraiment ouvrir Gorchot, là il y a des clients. Il va la bouffer. Bah, là pas maintenant, parce qu'il va y avoir le discours du maire. Il y a tout le monde qui demande sur Twitter d'avoir eu aussi un resto d'ouvert, hein, si jamais. Okay. J'ai pas entendu, il y a tout le monde qui demande sur Twitter s'il y a un resto d'ouvert. Donc si c'est maintenant qu'il faut ouvrir, on s'en fout du discours du maire. Bah écoute. Ok, bah. Mais qu'à fin, va c'est déjà fait, ils sont en train de préparer. Ok. J'arrive. Vas-y, ça roule. J'ai mis un coup de tête dans la lampe. Et décalqué. Ouais. Genre tu vois typiquement un mec qui achète genre une caisse comme moi, une Briozo à 1000 balles, ouais, il en aura moins cher de pièces. Il a pété 4 fois, c'est pas rentable pour lui. Mais après ça dépend de l'état des réparations en vrai, hein, si t'es les voitures, il y a des petits trucs, ça passe. Mais là elles sont dans un état, celle-là, il y a tellement de taf. Ouais, bah elles allaient presque bien jusqu'à ce que... Eh, pourquoi ça m'énerve déjà là. Ouais. Vas-y, man, tu peux me faire la facture quand t'as 30 secondes. Vas-y, je te fais ça. Tu payes en cash ou... Ouais, je paye en cash. Ouais, je suis pas obligé de te faire une facture, hein, tranquille. Vas-y, bah tiens. Dans la poche. Et on en parle plus. Et vous pouvez récupérer le voleur, les gars, au fait, hein, si vous avez besoin. Vas-y. Tu le prends, Trent. Prends les clés, elles sont dans ma poche aussi. Mais j'ai déjà les clés. Donne-les à Opti. Vas-y, je vais aller chercher Young, j'arrive. Ok. Attends, mais j'ai une moto, je m'en fous, je laisse le voleur en fait. Ma moto, je la préfère largement là. Vas-y, bien joué le mécanisme. Faudra juste prévenir quelqu'un qui a les clés de la Oracle. J'ai, t'inquiète. Ouais, mais ouais. Je reviendrai. C'est loin. Très spécial New York au niveau des contresens et tout, c'est trop chelou. Merde, c'est au-dessus pour y aller, c'est pas bon. Voilà. Oh merde.
Ah okay. Oh là là, quelle histoire. Bah, c'est quoi en fait? Moi j'étais en train de vendre à l'université. Ouais. Et là j'ai vu deux cops s'évouler derrière moi, j'ai essayé de courir pour m'échapper mais il a sauté une barrière que j'avais pas vue, il était devant moi. Mais vas-y, j'ai vendu je crois 60 ou 70 pochons et j'en avais que deux quand je me suis fait attraper. Ah oui, ça va alors. Donc, et en plus j'ai même pas eu d'amende. Bah ça va alors, c'est cool. Ouais bah ouais, mais là en vrai je suis bien, c'est genre 670$ ou 700$, un truc comme ça. Bah faut les poser comme ça, faut bah il y en a déjà 400 dans le, comment ça s'appelle, dans le MJC. Ah, mais okay. Là j'en ai 280 sur moi encore. Mais refaire le stock de thunes, je te pas. Ouais mais là moi je parle d'oseille là. Ah ok. Là, les MJC, là, quand on rentre, je vais poser pour 650$ de 650$. Ah, ouais, faut que tu me poses, là, parce qu'il faut que malheureux. Vous regardez un peu pour vous, c'est tout. Mais... Non, ouais, t'inquiète. Mais j'ai trouvé un endroit incroyable pour vendre. Hein. Vas-y, bah. Ah, oui. Et d'ailleurs, il voulait un représentant légal quand je me suis fait arrêter. Du coup, moi, j'ai eu la bonne idée, parce que quand il m'a dit que c'était le représentant légal qui payait l'amende, bah, j'ai appelé Abby. Du coup, bah. Elle devait être contente. Ouais, elle a reçu un appel qui devait être rigolo, quoi. Après, ça va, parce que je me suis excusé et elle m'a envoyé un message. Mais je sais pas si j'aurais grand intérêt à faire ça. Mais elle m'a dit... parce qu'en gros, tu sais, le cops, il lui a dit, ouais, est-ce qu'on a un lien de parenté, des papiers signés par la mairie, tout ça, truc machin bidule, tu vois. Et du coup, on lui a dit non. Et elle m'a dit quoi par message? Elle m'a dit, t'inquiète, si tu veux vraiment un tuteur légal pour te remettre dans le droit chemin, je te signerai peut-être les papiers. Je sais pas. Je sais pas si c'est un grand intérêt, mais. Ah ouais. Bah après, je pense que je vais la mettre plus dans la sauce qu'autre chose si je fais ça. Bah, c'est pas une pro. Après, d'un autre côté, si c'est qui paye mes amendes. Gaffe. Oh, d'ailleurs, on a eu un problème hier avec un mécano. En gros, on avait emmené nos voitures par ici, tu vois. Et eux, ils ont un problème avec le mécano, tu sais, qui est à côté du port là. Ouais, ok. Ouais. Et à ce qui paraît, cet enfoiré, ouais, il est venu, il a éclaté notre voiture, il est reparti. Ah, le mécano qui est à côté du port. Ouais, mais ça, lui, il est fou. Parce que bah, la concurrence entre les deux mécanos, du coup, on a voulu l'attraper hier, mais on l'a pas trouvé. Vas-y, il va tout baiser sa mère. Ah, où sa tête? Je sais pas où c'est. Ils sont les autres, ils sont au Burger Shot. Qu'est-ce qu'il faut dire avant? Je pensais, il y avait personne, toi là. Ouais, ça va et tout, mon pote. Qu'on passe dans 5-10 minutes pour la voiture, du coup. Enfin, ouais, c'est bon, vas-y, minutes, t'inquiète. Tu connais quoi, vas-y, force, merci. A tout. Vas-y. Mais ouais, j'ai vendu. Déjà dans le squat, il n'y a plus rien. J'ai tout vendu dans le squat et j'en ai vendu aussi un peu dans les blessés. Non, il n'y a personne. Il y a Ten là à gauche. C'est quoi, Ten? Bah j'attends Sco et tout là, ils m'ont dit qu'ils arrivaient. Attends, je vais aller déposer de l'oseille et je pense que j'irai revendre un peu plus tard. Vas-y. T'es passé voir, il a vendu quoi, de la weed ou ce qu'il fallait pas? Qu'est-ce qu'il fait? Bah je sais pas, le nouveau truc là que t'as demandé à Funko de vendre là. Mais pourquoi il fallait pas? Je sais pas. Non, j'ai vu que tu voulais juste faire des tests. Okay. De la weed. Et du coup j'attends Funko etc, ils sont partis voir les Lost, là ils arrivent là. Ouais, vas-y. Et je reviens, je vais avoir vérifié un truc encore. Vas-y. Ouais. Y'a Laura qui est prête si jamais si non, tu veux aller la chercher. Non, non, ah elle est pas encore prête, t'es déjà passé. Non. Ouais je te... les ouzangs là, mais j'arrive pas à trouver. Comme le numéro, je l'ai pas pris, je suis con. Enfin, je l'avais, mais je l'ai pas. Faut que je l'avais, il me faut des boîtes de mille. Combien?
170, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, elle a du pipo, là. Ouais. C'est toi qui m'aurais appelé à tout hasard? Non. Ça te dérange pas de m'appeler de temps en temps? Non. Pourquoi c'est quand que tu me ramènes des thunes, toi? Des dessins et je tout. Je suis en pleine négociation pour refaire des thunes, mais c'est compliqué ces derniers temps. Ok, ok, vas-y, bien vu. Dis leur faire si vous vous en il me semble. Ouais, c'est là, mais il faut l'air d'être dispo. Ok. Bon, tant pis, j'aurais dû noter le numéro. Erreur de débutant. Je me cale dans mon siège là parce que. Hop là. Et t'as chié bien quoi. Je sais pas, j'ai le titre. Il y a toujours des problèmes, etc. Qu'est-ce qui se retourne ça? Après, j'allais t'appeler. Ah, bien vu. Bah, allez, nickel, c'est bon. Putain, fais chier. Ouais, vas-y, Cameron, bien vu, merci. Vas-y, y'a pas de quoi, les gars, à plus. T'as pas de clé à nous, du coup, c'est bon. De quoi? T'as pas de clé à nous, c'est bon. Non, non, c'est bon, vous avez toutes les clés. Bah, la plus d'essence, c'est la merde.
Ah merde, eh, tu peux pas du tout la démarrer? Non. Ah ça c'est galère, faudrait que tu la tires avec mais le bowler. C'est ça qu'on essayait de faire de base en fait. Et j'arrivais pas à la tirer, c'est vrai qu'il a eu l'accident. Tu vas me l'amener avec ton truc ou pas? Bah ça va faire comme avec le bowler, hein. Ça va être exactement pareil. Ah ouais putain, un peu vrai mais ouais. Ouais c'est galère, vous avez pas déjà... Ah non, on peut pas acheter une canne. Non non, ça va être la même merde du coup que tout à l'heure là. Arrête tout à l'heure, vas-y, ouais, putain. Vas-y, attends deux secondes, je vais tester un truc. Vas-y tester ça, c'est bien. Attention à toi. Merde. Vas-y, monte avec moi. On va essayer de l'emmener à une station. Ouais, ça serait hein. Cool, ouais. Dans le banc, de toute façon. Ouais, vers les H-blocks là-bas, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. À tout moment, elle se décroche, hein. Ouais, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure, dis-toi. Vas-y. Là, c'était impossible. Bien vu. Ah, bah, ça y est, ils ont reçu les vasins de leur dépanneuse. Ouais. Ah, ouais. Ça a des moyens, H-block, hein. Je sais pas trop qui c'est qui s'occupe de ça. Mais... C'est un gars, il s'appelle Bohan, le patron. Tard, hein. Le cousin de l'île des villes. Ah ouais. Vraiment une famille, d'en... Vraiment une famille d'enculés. Oh là 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 là. Oh tranquille, ouais, ça va faire petit à petit. Et hop. Allez. Bon, ça va déjà, elle vole pas dans tous les sens. Ouais. Si c'était mieux heureux si on y arrive déjà sans casser la voiture. Ouais, ça devrait aller. Si elle se détache juste comme ça et qu'elle s'arrête après, ça passe. Allez, putain. Bon, ça va, on, fait, on va le faire en 3-4 fois, genre. Ouais. Mais on va y arriver, on va y arriver. C'est ça. Vas-y, l'autre, il veut pas attendre aussi, mon ref. Vas-y, ouf les conducteurs ici. C'est dans l'artère. Je te jure, putain, ça y est. Ah ouais, mais elle aussi est force. Vas-y, mec, va niquer ta mère là-bas. Ouais, il s'abuse. Attends. On l'attrape par le côté. Ça devrait être bon là. Ah, si elle est lourde de ouf la Oracle. Ouais, bah ouais, c'est. Elle pèse ouais. Son poids. On y est presque. On va le faire. Oh, histoire quoi. C'est comme ça que vous vous êtes retourné du coup. Ah ouais. Essayer de la tirer, c'était une galère. On a tiré avec les deux bowlers, on arrive même pas à la tirer, c'est bon. Ah ouais. Ah ouais, mais en plus vous avez foutu un beau bordel là hein, devant le garage. Ah j'arrive, je vois là vous étiez en panique, je fais mon dieu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais, de base on avait rien fait en plus ça le pire. On est sur la bonne voie. J'espère que ça va pas endommager le réservoir et que tu vas pouvoir mettre le plein. Ah, ça me ferait péter ma tête, tout ça pour ça là. En plus, je sais même pas comment faire pour le. T'as les clés, ouais, oui, t'as les clés de toute façon. Carré. On va la mettre. Vas-y, laisse tester. On va bien vu décrocher là du coup. Ouais, alors la décrocher, c'est une autre histoire. Ah ouais? Ok. Et ça a l'air de marcher. Ok, ça a l'air de le faire. Vas-y, fais le plein, on va voir. Oh, l'histoire pour récupérer une voiture, laisse tomber quoi.
Vas-y, on va voir si tu la démarres et si c'est bon, bah let's go hein. Ouais, bien vu man. Tranquille. D3, on est en D3. Ok, bien vu. Allez, ça va passer. Let's go. Vas-y, vas-y, bien vu Cameron, t'as un crack. Man. Allez, à plus les gars. Vas-y. On est sur le... Demain la div2 ça va être un bordel, ouais. J'en ai pas trop sensu mais j'avoue que... À part Manati, je sais pas qui c'est dans la line-up en plus. Tu sais que le jungle c'est Manati, c'est tout ce que je sais. Ouais. Moi j'ai un bon start de saison, j'ai un bon MMR, j'ai un bon win rate. Plus bien. Div 3 à 20 LP là, on est sûr. Plus que je stream maintenant, j'avais que je le ferais, je vais le faire. Parce qu'en fait là, je joue le matin. J'ai la peine de me lancer mon live le matin, mais j'avoue que. Mais au-delà de ça. Ah ouais, et en plus de ça, actuellement je suis la 8ème le bon EU. Eh mon gars. Quoi? Oh ouais, c'est de la merde, hein, c'est des stats, mais bon. Lame, Serendi, puis Lens, Benassé, je connais pas très bien. Yo, vous allez où? Caméra, il est pas. Bah, tu connais. Du coup, je disais. Du coup, je disais. Est-ce que vous pouvez me vendre des menus à ta fin là? Quoi, d'ailleurs, attendez, est-ce que vous avez pas des... Parce que les canettes, ça y est, c'est bon, ça... Y'a que des canettes, je te jure. Putain, faut qu'on soit en rupture de gobelet, là, c'est une galère. Putain, vous avez plus de gobelet? Non, y'a plus. Bah après, tu mets dans une bouteille, moi, je m'en fous, hein. Bah, le truc, c'est que les bouteilles... je vais garder, mais je suis pas sûr, mais je check. Bien. Du coup, tu veux quoi? Tu veux le 2-2-2, là, comme hier soir? Ouais, mais je te mens pas là, c'est le commandant en cross-cross quantité, mais si tu me donnes des fantas, ouais, du coup, ça peut. Nous, on va. On va soulever des rips, c'est à moins que tu nous sois un brolique. T'as fait combien? Pourquoi tu veux soulever des rips? Tu sais que j'ai fait 700$ tout à l'heure. Pour. Parce qu'ils ont mal parlé à MJ, ils ont cassé la gueule. Mais tu t'es fait péter. Ouais, mais je me suis. C'est H-Block, H-Block, merde. Ouais, bah oui, mais parle des bonnes personnes, enculé. H-Block. Tu as pas de temps en fait. Comment ça tu veux un bourlic pour sauver des H-Block? Eh, fais, débrouillez-vous avec vos points, soyez malin. Voilà, mais c'est ce que je leur dis. Je leur dis, on n'a pas besoin d'un bourlic. On va choper un dans un coin et on va niquer. Eh, vous les niquez avec vos points, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes quoi? Vous êtes une équipe de merde? Non. Sans bourlic, vous savez pas vous débrouiller. Même pas, mais c'est juste au cas où, tu vois. Au cas où de quoi? Eh, reviens, t'es ton fait pull-up, je te canne, c'est bon. Ok. Des bras cassés, voilà. Tu la prochaine fois, écoutez-moi, les deux frères. Fais-toi, impose-toi, toi, si tu vois qu'ils sont cons. Ok. Je le dis, mais. Ouais. Ils sont quoi? Ils sont cons, c'est pour la vie. Hein. Vas-y, bref. Eh, hey, c'est simple. Si j'ai ramenez-moi une preuve que vous avez soulevé un H-Block. Oh, okay. H-Block ou Crips? Mais non, c'est pas Crips, c'est H-Block. H-Block, moi je vais te venger, me dit vas-y go. Mais pourquoi Crips? Ouais, y'a quoi Crips avec les Crips de toute manière? Je pense, lui il veut. Non, enfin, c'est pas hier, mais tout à l'heure ils ont voulu nous baiser et non, il m'a insulté. Oh. Ah, ça y est, c'est une insulte, on s'en bat les couilles. Faites ce que vous voulez, j'en bats les couilles. Okay. Juste faites ça bien et ramenez-moi un truc. Eh, le balleur il est repo ou pas? Ouais, mais c'est Ten qui a les clés ou je sais pas ce qu'il a foutu. Mais je crois qu'il le cache en plus. Hein. Ouais, je l'ai. Bon, force à eux. Hein. Ils vont faire des dingueries, c'est sûr. Qui est ça? Je commande ma bouffe et vas-y, je m'occupe de ça. Eh, hey, man. Ça te fait 85$, mec. Tu veux quoi pour les boissons? On a du Coca Cherry, du Spring, du Cola, du Fanta. Coca Cherry. Eh, tu fais quoi, Bao, toi? Cameron, tu veux quelque chose? Un Spunk. Tu vas Spunk? Moi, je vais. Tu me donnes-moi un Coca Cherry. Eh, hey, monsieur, c'est pas pour faire la poule, parce que ça c'est pas parce que vous êtes chinois, mais vous connaissez Yao ou pas? Ah, ouais, c'est cousin. Ouais, il y a moyen, tu. Toi, tu me passes son numéro, si tu lui dis de m'appeler, c'est Trent. En fait, en gros, je devais. Oh, tu vas lui dire quoi, Trent? Dis-moi.
En gros, j'aimerais lui parler d'un truc, mais Bah, tu peux me la dès, bah, 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 dès que t'as fini de manger, je vas-y, attends, bosse pas. Il y a là des clients, t'as vu, tu connais. Hop, il t'a fait payer. Souci, on va sortir, ce sera mieux. Vas-y, bien vu. Non, non, c'est pas encore payé. Après, il doit combien? Il manque. Eh, c'est son Sco, ouais. L'équipe de Sco, s'ils me ramènent pas une preuve qu'ils ont pull-up quelqu'un, c'est moi je les pull-up. Yo. Eh, moi je suis sûr, ils vont se faire soulever. Si, ils voulaient une bourrique en plus, c'est fou. Et tu leur as donné? À ton avis? Moi je sais pas. On a une bourrique pour aller soulever des H-blocs, ils vont les soulever au point, ils se débrouillent. Hein. Ouais, j'aurais dit pareil. Qu'est-ce que c'est que, cette, qu'est-ce que c'est que cette équipe de bras cassés là? Vas-y, moi après je vais aller faire $1 milliard. Yo, t'as trouvé un truc pour imprimer les billets? Je te jure, c'est presque pareil. Ouais, parfait. Oh, Trent, t'es pas au courant, toi? Écoute, à moins que les autres retweets du truc du Burger Shot en balle. Ouais, j'ai fait, j'ai pas déjà. Yo, moi je comprends rien. Trent, je t'écoute. Ah, ok, je savais pas. Tu sais pas, hier, genre, j'ai une surprise du label. J'ai un appart luxueux tout en haut d'un building. Incroyable. En colocation avec les autres artistes. On peut aller squatter et je peux inviter qui je veux, c'est comme si c'était mon appart. Ouais, tu iras me montrer après, j'avoue, c'est aussi. Énorme. Mais j'ai pas encore les clés parce qu'il faut qu'il fasse les doubles, mais. En gros, attends, viens, ouais, tu m'expliques, attends, j'arrive, Funko, je fais un truc, j'arrive. Vas-y, t'inquiète. En gros, t'as vu hier, on a parlé de certaines choses. Je voulais savoir, là, j'aurais besoin d'un truc en particulier assez rapidement. Je sais pas si c'est possible. Dément ? Il me faudrait surtout des munitions, là, actuellement. Je sais pas comment ça se passe de votre côté. Des gros, munitions ? Ouais, parce que si tu veux, dans le Bronx, bourliquer. Bon, évidemment, si des bourliques sont proposés, je les prendrai avec plaisir, tu vois. Mais je suis pas spécialement précis dans le sens où on a peu trop de temps de discuter encore avec Maître Chou, c'est ça, tu vois. Donc, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Niveau munitions, je vous cache pas que si vous avez des stocks en plus. Je suis prêt à les acheter parce que là actuellement dans le Bronx ça, c'est un peu compliqué, ça part vite et j'en ai besoin rapidement, tu vois. Donc si jamais vous avez des stocks, bah je suis preneur. Voilà, c'est tout. Ouais, je comprends. Bah écoute, je vais aller voir c'est moi et je te rappelle. Hein. On va voir ce qu'on a en stock parce que c'est pas bien vu là, mais je te mens pas, après c'est un petit peu compliqué en ce moment. Ah ouais, non, mais justement, si moi je suis en galère et que je te demande, c'est que je me doute bien que c'est pas si simple que ça. Mais pareil. J'ai pas dit ça à Yao hier aussi, j'ai oublié, je l'ai pas dit. Mais si jamais moi j'appelle ça des grands, mais si ton maître il a besoin de petits services en échange de, bah, je sais pas moi, justement de rabais ou de peu importe ce que c'est, nous on est preneurs, tu vois. Si t'as besoin d'un mec qui t'a fait chier et vous avez la flemme d'y aller vous-même, connais. Ouais, mais comme il t'a dit Yao, ce qu'il va te dire, c'est Matosso. Nous avant tout, ce qu'on veut que vous soyez nos yeux, nos oreilles, tu vois. Ça veut dire que c'est sûr que des fois il va te demander de faire des trucs que pas forcément nous on ira, tu vois. Ouais, parfait, parfait. C'est pas notre boulot, je sais pas, d'aller casser un magasin, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est logique. C'est logique. Ouais, écoute, je te rappelle d'ici une petite demi-heure, mais pas 10 minutes. Mon numéro, du coup, c'est bon. Ouais, c'est ton numéro. Et envoie-moi un message avec ton blast, comme ça, c'est parce que hier, j'ai oublié de vous demander. Et du coup, bon, je te cache pas, je suis allé à Chinatown, j'ai commencé à parler avec quelques Chinois. Mais bon, vous connaissez pas tous non plus, tu vois, ils m'ont regardé, mais tu crois. Bon. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il y aura rencontre avec Maître Cho dans les. Prochain jour. Ouais, bah nous on est disponible, pas de problème. Après, c'est par rapport à vous, quoi. Ouais, pas de souci. Oh, voilà. À la pouce. Vas-y, bien vu. Bonne soirée. Hein. Ouais, vous aussi, les man. Ça va pas, les frères, là. Ça va pas, là, les gars. Ils se font des câlins, c'est quoi, c'est ouais, bonjour. Relâche-le là. Vous avez le lien de la photo d'hier ou pas? Mais dis-moi, du coup, Funko, ton appart, je sais pas quoi, non. J'essaie de publier, on va voir. Ah, vas-y. Funko, du coup, c'est quand que tu m'emmènes des thunes du label là? Les quoi? Des thunes, c'est quand tu m'emmènes de l'argent? Bah, normalement, je dois signer mon contrat ce soir, ils m'ont dit, mais après, tu les connais, genre. Ouais, mais. Non, Funko, et d'ailleurs, au niveau des thunes, c'est comment? Tu vas être payé comment? Bah, je suis payé à la fin du mois en fonction des streams. Ouais. Oui, t'es. Je crois qu'il y a une partie d'avoir. À moi, s'il te plaît. Non, bah attends, je vais te filer un truc. Ah, ok. Et Trey, hier, il y était, je crois. Non, je t'ai filé de l'oseille. À l'appart. Vas-y, bien vu. Tu m'as filé combien? Donc, il l'a vu. Je t'ai filé $200. T'as gardé pour toi ou quoi? Ouais, j'ai gardé 95. Ok, bien vu. Vas-y, bien vu, JB. L'appart, en vrai, il est incroyable. Eh, tu vois, ça paye de faire la manche. Ouais, bah ouais, moi, je m'en fous, tant que la thune, c'est de la thune. Tu savais qu'il avait fait un feat avec un rappeur turc? Ouais, bah ouais.
Bon, moi je savais pas, elle est incroyable. Dans son album, non? T'es bien? Très stocké à la troisième brolique ou pas? Ouais, ouais. J'ai le vintage. Eh, si on se fait braquer le burger shot, bah, on passe derrière. Comment ouais, on se braque le burger balle, shot? Si ouais, j'ai des balles. Ah ouais, t'as repris des balles? Bah ouais. J'en ai 8. Chargeur de 8, mon pote. Mais c'est des chargeurs de 7 pour le vintage. Ah mais Young, on devait y aller au truc de l'association, au truc pour l'association, avec l'association. Ouais mais t'inquiète, j'ai déjà envoyé quelqu'un y aller pour moi. Ah oui. Ouais. Ouais c'est vraiment ta grave, c'est... Moi j'allais dire c'est vraiment ta pute hein. Non, non. Bah, c'est en vrai, bon. En vrai elle est cool la pute, tranquille. Ouais. Déjà je lui dois de l'oseille, donc en vrai pas vraiment ma pute quoi. Non elle est trop sympa. Ouais. Et imagine quand elle va faire des rendez-vous, le maire il lui donne de l'argent pour l'association. Bah elle me le donnera à moi. Je suis pas assez sûr hein. Moi aussi, je lui fais assez confiance, hein. Et puis si jamais je la prends, je la canne. Hein. Pas de. Je la canne. On peut pas suivre le discours à la télé là. Je la canne. J'ai pas le temps. Pas une télé ici. Il y a des mecs de chez nous qui y sont, je pense, de toute façon. Ouais, il y a Kaïd et tout, ils sont en train de soulever tout le discours. Il y a qui était à l'appart hier? L'appart de trucs là? Bah, D-Rose, Co, moi. Avec lui. Moi j'ai été, moi j'ai été. Pronostic pour la team MD Esco et tout qui vont se faire pull up ou ils vont pull up? Ils vont se faire soulever. Ils vont se faire pull up. Hein. Franchement, je sais pas. Moi je pense quand tu quand t'es moi j'espère qu'ils seront pas pull up, tu vois, parce qu'ils vont relou. Je t'ai pas demandé ce que t'espérais, je t'ai demandé ce que tu pensais. Bah ils seront pull up. Moi je pense qu'ils vont y arriver. Moi. Ouais, s'ils y arrivent pas, bah c'est juste qu'ils sont nuls, hein, pour ça. Hein. Ah, moi je pull up plus, moi la dernière fois que j'ai pull up c'était hier, c'est parti en C'est vrai que hier c'est on peut partir en yo, couille. C'est passé quoi? Ça a shoot. Ah, y a un mec qui s'est fait tirer dessus et tout. En plus, c'est ce qui paraît, mais là quand il s'est fait shooter, il a continué à caval après pour qu'il a coursé Young. Ah ouais? Ah ouais. Il faut ouais. Lui on va l'attraper, lui ça va être vite fait. Ah, si tu veux, je le re-shoot. Hein. Ouais, mais on verra, je la fais mal. Ah, mais ouais, je t'avais pas raconté, Trey, mais tu sais. Bah non. Il t'a allongé. Ouais, on est parti ouais. En courant. Moi j'ai récupéré les clés, tu vois, et je voulais aller ranger le 4x4, tu vois. Je repasse devant. Là, tu vois, je le vois, il est en train d'agoniser sur le côté, tu vois. Et moi, je passe à côté, tu vois, et je lui dis, écoute-moi bien, t'as de la chance que je te finisse pas en fond de pute. Et je pars, tu vois. Et là, j'entends un mec qui est en train de gueuler derrière moi, et je le vois pas en train de courir, essayer de me chlasse. Non. Je te jure. Non, c'est pas possible. Il était là, il était en train de courir et titubé. Il est, je sais pas s'il a voulu. Il a pris 4 balles dans le corps, cet enculé. Ouais, c'est quoi, c'est. Je sais pas, mon pote, il était déterminé plus que à me 4, faire. 3, c'est. Ouais, je sais pas, j'ai vidé un chargeur, quoi. Toi, à chaque fois, tu vides les chargeurs. Ah ouais, bah ouais. Au moins, il se relève pas. Bah, apparemment, ça n'a pas suffi, hein. Putain. Yo, vas-y, moi je vais voir s'il y a un coiffeur là, parce que ça me casse les couilles. T'es trop moche. Mais de toute façon, il t'a dit, Kirti, tu dois couper et raser. Ouais, sinon, ouais, t'as rasé, non? Non, pas rasé. Mais si, t'as rasé déjà un peu. T'as coupé, ouais, t'as coupé, t'as là-bas. Tendu. Et il aime trop faire ça, Kirti, il veut trop couper les têtes des gens. Ouais. Ouais, donc on va lui couper la tête. Ça se voit, il a un complexe. Quoi? Parce qu'il est chauve. Ah, j'en suis sûr, c'est ça en fait. C'est sûr. Faudra lui demander la prochaine fois, mais discrètement. Il veut te découper pour le mettre sur sa tête à lui. Et 100% en scred, il est dans une association des chauves qui récupère des cheveux. Il faut ramener des thunes, les man, hein, parce que 500$ pour les deux caisses, quel plaisir aussi. Non, 500$ ah, en tout cas, t'as vu l'état de la caisse, je suis pas prendre. C'est bon, on a déjà fait 300 et quelques avec deux clients. Posez dans la MJC, les gars. Là, je vais te filer 200. Ouais, attends, moi j'ai 200. Quand vous avez des thunes, posez dans la MJC. Vas-y, bah à qui il va, on lui donne tout. Mais... Ouais, au pire, vous me donnez, je vais les poser tout d'un coup. Mais... Après la weed à ce qu'il paraît, les clients ils l'achètent un peu plus cher ce temps-ci. Moi là je peux aller vendre s'il faut. Mais c'est pas non mais non mais je suis pas dit d'aller vendre, j'ai dit il faut faire de l'argent, je parle en général, tu vois, c'est pas là maintenant. Non mais moi je suis chaud de le faire maintenant, c'est ce que je veux dire. Fais ta vie mon grand. Mais déjà franchement le truc du burger shop là on aurait dû le faire depuis un moment hein.
Bah oui, bah oui. On y a pas pensé avant de prendre. Et du coup, la weed, ça se vend combien à peu près là? Entre 9 et 11. 9 et 11. Ah, d'accord. Bah, en gros, le minimum, c'était le maximum qu'on pouvait en tirer avant. Oh, c'est bien. Ah, avant, c'était 10, non? Non, 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 c'était 9. Oh, je fais que bailler, ça me casse le cerveau. Depuis tout le temps fatigué à partir de 22h, ça y est. Je pense qu'il vaut mieux aller vendre. Et on réouvre après le discours du maire. Ouais, moi, je pense qu'il faut attendre la fin du discours pour réouvrir. Là, il y aura personne. Au pire, il y a une équipe qui va vendre et une équipe qui reste, hein. Bah, vous pouvez faire ça aussi. Enfin, vous allez vous faire chier si vous restez. Hein. Ben, je crois que Trey était chaud de rester. Moi, je suis chaud de me bouger là, j'ai la flemme de bouger. Un peu pareil. Hein. Vas-y, carré, bah, vas-y, moi je vais vendre. Hein. Trey, prends dans mes poches. Moi, je vends pas, moi, je peux. Mais bon. Et c'est qui a les clés de l'oracle? Moi, je les ai, mais je sais pas qui a les autres clés. Moi, je sais que je crois qu'elles sont encore dans la MJC, je vais aller chercher, j'arrive. Je préfère rester là parce que si je me fais péter après que je vais devoir aller signer, relou, ça fait des semaines et des semaines j'attends pour signer. Je te prends tes thunes. Ah, il serait temps. C'est bon, c'est vrai. Et va ranger tes joints. Et de la bouffe, ouais. T'as de la bouffe? Vous avez de la bouffe ou pas sur vous? Ok. Vous avez on a que 17 sandwichs en bas. J'en ai 10 sur moi, j'en ai 10. Ok, carré. Ah, tu l'as donné ou pas très? Non, j'ai déjà donné. Ah bon? Enfin, j'ai 20 dollars. Non, mais 20 dollars, c'est bon, bah écoute. Tu fais quoi du coup là? Là je tourne avec MJ, avec Kush, avec Kane et Yasko qui est en moto et on tourne, je sais pas, parce qu'apparemment ils veulent péter des gars. Ils veulent niquer des H-blocs, je crois, vas-y, c'est bien. Ouais, ouais. Et tiens-moi au courant. Vas-y, vas-y. Et parfait, on a remonté. Alors. On va brainstorm. Ouais, vas-y, brainstorm à ma place là, je suis. Eh, hey, je te jure, j'en ai marre d'être fatigué à 22h, j'en peux plus en fait. Tu te couches pas aujourd'hui? Mais je peux même pas, à 10h30, mais je sais pas, ces temps-ci, j'arrive pas, je suis défoncé. Toujours la même histoire. En plus, je suis mouche. Ouais, je sais pas. Y'a les gars là. Oh, les gars, y'a des gens qui ont demandé. Y'a des gens qui ont demandé de la livraison au Discord. Vous voulez pas vous occuper de la livraison? Ouais, je suis chaud. Vas-y, hein. Bah prends sur Twitter. Faut combien, il faut combien? Mais il est où le discours parce que on en... Il a demandé de la mairie. Il est pas sur l'île. La statue. On a un bateau, nous. Mais non, devant la statue. Enfin, pas devant la statue, mais devant. C'est au niveau des bateaux. Vas-y, Cash, prends 10 Fanta, 10 Coca sur moi et les 10 Whoopers. Ça me vient ce que tu viens de dire en vrai, je pense. Bah, pas de demain. Prends sur Funko. De quoi? On est pas. Est-ce qu'il faut qu'on refasse tourner un peu le truc? Tu veux une tenue, Cash, ou pas? Comme ça, au moins, les gens ils te reconnaissent. T'as une tenue? Je suis chaud. Vas-y, tiens. Pire, trouve un camion fast-food. Il va pouvoir le ramener là-bas?
Bah ouais. Il pourra pas traverser, mais oui, après on... Mais tu vas pas sur l'île, l'enculé, on t'a dit. C'est pas sur l'île. J'ai capri. Il a capri. Il a capri. J'ai capri sun. Il n'y aura pas trop à traverser la mer, hein, t'inquiète pas. Et tu veux que je te donne, du coup. On est où avec la... Ouais, je veux bien. Passe tout. Moi, bon, je sais pas, je reverrai. J'ai envie, parce que bon, ces histoires, c'est bien sympa, tu vois. Mais. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je veux le les... pour le burger shot, en fait. Je m'en fous du reste, tu vois. Moi, ouais, j'ai capté, j'ai capté. Je vais mettre un coup. Mais j'en fais du coup, ça. Il faut qu'elle tranche, en fait. Si elle veut pas, elle veut pas. C'est... Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. D'un moment, parce que là, ça y est. Ou alors, mais je sais pas, fais-lui comprendre un peu plus violemment. Ah, ou fais-lui un électrochoc, je sais pas. Ou en vrai, prends-en. Ouais, vas-y, vas-y, je vais. Ce soir, c'est réglé, c'est où, non ? Sur Trey, je pense. La tenue, elle est où? La tenue, elle est où? Je te l'ai mis dans tes poches. Lourd. Que 4, hein. Bon, je te nique. C'est la deuxième. Comme ça, il en a 15 et 20 boissons. Parce que sinon, s'il y va et qu'il y a plein de monde qui lui demande... J'en ai pas 15. Et fais un peu plus cher vu que c'est... Non, mais moi, je lui en ai donné 10. 11, pardon. Fais un peu plus cher vu que c'est en livraison. Le sandwich, tu le fais à... Le Whopper, tu le fais à 12 dollars. Et la boisson, tu la fais à 6. C'est bon. Vas-y, viens maintenant. Donc, un menu, c'est 20 dollars. Qui qu'est-ce que je... Un menu, ouais, une boisson. Route, c'est bon. Tu feras Uber Eats moto. En place, c'est parti. Maxi Benef. T'as compris les tarots, hein, qu'est-ce que je... Non, j'ai pas écouté du tout. Ah, putain, j'en étais sûr. J'attendais à quoi. Sandwich, tu le fais à 12. Et la boisson, tu la fais à 6 dollars. T'as compris, hein. Sandwich à 14 et boisson à 70. 15, 10. Le menu est à 20, en gros. Oh là là, la gueule. C'est pas grave, de moins qu'il ramène des sous. Ouais, enfin bon, s'il les ramène moins que ce qu'on l'a payé, oui, c'est pas... Ouais. C'est arrête pas de le faire dessus. C'est pas... Pff, non, parce qu'il a besoin de balles, donc tu le planteras. Ah, c'est vrai, je le planterai. Moi, je lui casse la gueule. Il faut que j'achète des vitamines. En plus, j'ai essayé de boire un truc, là, le Crazy Tiger, ça peut être... Attends, il fait quoi, ce fils de pute? Il est con, quoi. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que t'as, que là-bas. Attends. Il est où, Kane? Tu vois là où je suis parti dormir. Parti dormir. Tu vas derrière le parking, là où il y a les bateaux. C'est bon? Chiboboshi. Je vais mettre là. Dans la même grave qu'on va plus d'une en vendant des burgers qu'en faisant de la weed même. Ouais, faudrait vendre les machettes aussi. Ah yeah, tu fais quoi toi? Tu crois les clients ça c'est hors de là? Ça va plus la bécane là. C'est pour mettre une petite musique d'ambiance. Ah bah non. Évite la musique. Ah on s'en fout de la musique, ok. Ah surtout qu'en plus ça pue dans le resto là en fait. Ah ouais. En plus c'est bruyant. Ces grosses narines là. Pourquoi on a des mecs archi cons, je comprends pas. Genre il réfléchit pas avant de... C'est dit, quel putain, moment tu... Quel mec va vouloir manger dans ces conditions? Regarde, tu fais courir un mec là-bas, il est en train de péter sa tête. Ah ouais. Va calmer le client. Va calmer le client, enfin quoi. Va faire fuir la clientèle là-bas. L'autre fou là que t'as défoncé. À la table 6, dépêche-toi. Là. Oh, je vais. Elle va se foirer, va taper un autre client qui a rien demandé. C'est bon de la poser dans le canard. Ouais, c'est bon, il l'a fait dormir. Mais l'autre aussi, Drac. Oh la dingue. Ah. Attends, je l'ai bon. C'est bon là. Ils sont bien là. Ah ouais, ils sont bien. Ah, faut prendre une photo, mettre sur Twitter comme quoi, ici au Burger Shot, on mange tellement bien qu'il faut même une sieste sur les banquettes. Ah, je la prends la photo. Il est détruit. Ah, il a bien mangé là, hein. Oh, c'est quoi, ouais. Tout se lever là. Il veut le voir, le mec qui tombe. Tu te fais un petit tweet, vous mangez tellement bien au Burger Shot que vous pouvez même faire une sieste. Je sais pas quoi, tu vois, un truc comme ça. Oula, il est... Ah, il est pas content. Faut pas de nouvelles de Garcia et Triga avec un peu de chance, ils sont morts. Ils s'en vont, je crois que ça leur plaît pas. Ils ont fini. Tranquille.
Les gars, j'ai fait un son, vous allez me détester quand vous allez l'entendre. Ouais, moi je m'en fous tant que tu me ramènes des thunes. Exactement, c'est pour ça que je fais des sons. Je fais plus des sons pour nanani, je sais pas quoi, la prestance, je sais pas quoi. Mais allez, les, que les thunes. Bon, Triga, il pense pas quand pareil. Tu, hein. Quand t'écris comme C2, monsieur, C, si tu l'écris S-E-S. C'est C-E-S, C-E-S parce que tu les pointes du doigt, je crois. Ok, c'est deux. C'est pas ça? C'est pas C quand c'est, tu les pointes du doigt et su. S quand c'est les siens. J'ai je me rappelle su. Plus, il y a un truc comme ça. Je vais faire un tour, vous voulez bouger ou reste là où? On est là. On est là. On est là. Putain, j'ai dû annuler mon tweet, fait chier. Wow. Ah ouais, ça fait quoi? Je chante l'hymne là. J'ai pas compris. Check ton message. Oui, j'ai vu, mais j'ai pas compris en fait le message. C'est quoi le message du coup, je comprends pas. Oh, c'est le président. C'est le maire plutôt. Oui, mais du coup, t'écoutes ce qu'il raconte, du coup, il raconte quoi? Bah, il dit qu'il va lâcher des subventions pour les associations. Bah, ok. Tant mieux alors. C'est un peu le truc qui nous intéresse en fait. Il nous a cité, nous, par les associations. Ah ouais? Ouais, bah, tant mieux alors. Vas-y. Vas-y à tout. Vas-y. Ça lag là, j'ai un crise. Oh. Moi je me foire quand je veux sortir. Terrible. Ouais. Je vais juste poser le fer dans l'appart, mais dans le placard, dans la chambre, tu vois. Vas-y, vas-y. Histoire au cas où s'il y a les cops qui viennent, ça part en couille. Vas-y. T'avais des balles sur toi ou pas? Ouais, j'ai un chargeur. Vas-y, bah donne-les-moi. Vas-y. Bah, ouais, je suis à côté. Ah, t'as la porte là? Bah, ramène-moi juste 11 balles. J'ai que 8 balles, mais. Ramène-moi. Vas-y. Ciao. J'ai plus d'eau fichier.
MJ qui conduit trop chelou. J'ai posé le pétard dans le placard du coup. Vas-y, vas-y, bien. Bang, bang. Bravo, hein! Voilà, bravo. Voilà. Non, mais. Sa mère. Ah, monsieur? Ça va, ça va, ça va. Ouais, ça va, merci. Pas de problème. Vous allez bien, vous? Ouais, moi, je vous cache pas, je vous ai. Comment dire? J'ai tellement tapé rapidement que ça m'a pas vraiment fait quoi que ce soit, quoi. C'est la voiture, pour vous, quoi. En état de redémarrer, là, pour vous? Ah, bah. Comment vous expliquez? Ça lui a rien fait, ça lui a rien fait. En fait, en gros, comme c'était. Non, mais c'est même pas par rapport à ça, c'est juste que j'ai dû taper sur le bord et vous, comme vous allez vite et j'allais relativement vite, il faut ouais, pas écoutez, grand chose pour que ça fasse faire ça, quoi. Écoutez, je pense qu'on est en bonne santé, nous, vous c'est êtes bon en bonne santé, on va peut-être pas faire un constat. Ouais, ouais, bah, ouais, tu connais. Ça va, c'est bon, c'est ok. En plus, les gars. Ouais, c'est bon, monsieur. On est en tort, en plus, les gars. Mais ouais, ouais, c'est bon, seigneur. Vous pouvez y aller. Ça marche, ça marche. Bah, force bon, à vous. J'avoue, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. J'ai pas touché en fait, moi j'ai ma POV du coup. Ouais, c'est quoi ce malade? Oh, oh. Elle me fume cette caisse. Ils sont défoncés.
est cool là, elle est vraiment cool la map. Même moi j'ai des espèces de vieux coups de barre, ça me fout. Faut pas, en plus le pire c'est que c'est un... si je me couche trop tôt, je vais me lever tôt et je vais être encore fatigué à la meurtre. Donc en fait faut juste que je sommeille un peu. Là les gens ils sont, je sais même pas c'est où le meeting, je me suis même pas renseigné. Ah si, je suis. Et pas ce qu'on a l'habitude. C'est combien? C'est cool, depuis que 77 on est bien au niveau joueur et tout, c'est cool. Ah, je travaille demain, ça tu peux pas dormir. Ouais. Oh, hop, ouais. hop. Attention. Tu vas bien là. Ça y est, bon. Waouh. Ça, c'est ce que j'appelle l'ambiance. Les coupes de flics, elles me tabassent. Ouais, dites-moi. Je peux pas vous en faire 4, mais si vous voulez, on peut vous passer une... Laisse la musique, je fais un costume. Ouais. Laisse. Ouais, bah vas-y, on n'a pas le choix, de toute façon. Donc, laisse la musique, mais bon, juste moins fort, tu vois. Allez. Elle est dehors. Elle est dehors, ok. Ça nous va, monsieur. On n'est pas relou. Allez-y, et donnez des chips aussi. Oh, des chips, ouais, et une petite orange si tu veux, ça lui fera un bon dessert. Petite orange, en fait. Je vous donne ça. Ah oui, mais j'ai pas eu de chips, moi d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Tu me passes une chips? Tenez, je vous donne à votre collègue, vous partagez. Ah, merci. Okay, ah ouais, ça marche, on merci. Va partager, vous inquiétez pas. Tenez, voilà, hop. Les a rajoutés dans votre sac. Hop, nickel. Ça, c'est une orange, ça. Oh, c'est pour le dessert. C'est... Oh, c'est offert? Oui, c'est offert. Oh, c'est gentil, les gars. C'est pour nous excuser du fait qu'on avait pas. Ah, non, y'a pas de soucis, les gars. Pas de soucis, c'est cool. Ouais, c'est un petit avis là sur votre travail, les gars. Bah, vous pouvez laisser un tweet, hein. Je ferai un tweet, les gars. C'est gentil. Burger Shot du Bronx. Excuse Street. Oh, il est bon. Oh, la bonne. Franchement, les gars, vous allez voir l'acidité de l'orange à la fin du repas, ça fait tout glisser, c'est nickel chrome. Attendez, je bois. Dégaine, les ça donne ça, c'est tout à fait. Viens voir. Ouais. Attends, viens s'éloigner un peu parce que là, c'est loin de la... Ouais.
Venez voir les Crips. Vous voir, venez voir les Crips. Venez voir, les voir. Ouais, si tu veux, venez voir. Bah, je sais pas, ils essaient de chauffer les petits et tout ça. Après, c'est la rue. Donc, aux petits de se défendre, non? Ou tu veux qu'on ait la ouais, mais ils sortent pas de leur quartier, eux. Bon, ça c'est autre chose, mais de base, le fait que des petites chez eux veulent souvenir des petites chez nous, ça c'est comme avec l'âge bloc, non? Ou la façon différente? On a pas eu la réponse en plus. Oui, c'est pas faux. Alors, vu ce qui s'est passé hier et vu qu'ils ont rafalé un mec à côté de leur bingo, à mon avis, ils vont utiliser ça comme excuse. Hein. Après, le truc c'est que, vas-y, depuis le début, moi depuis le début, je mets les pull-up dès le début. Vous avez été plus tranquille avec eux. Oh, ah, cherchez des burgers là, putain, la burger, bande de con là.
Et du coup, ici, c'est quartier du Bronx, alors. C'est le quartier du Bronx, si vous êtes dans le Bronx. Ok, ok. Si jamais vous pouvez faire passer un message aux habitants du quartier, je viens de monter une association de combat, si ça peut intéresser des gens. De combat, quel style de combat? C'est une association de combat, tout simplement. Donc, tout sport de combat, je pense qu'on va plutôt axer ça sur la boxe, mais... Boxe anglaise, particulièrement ou... Ouais, vous savez, surtout avec les mains, ouais, surtout avec les mains. Très bien. Okay. Si jamais ça intéresse, l'association des combats sportifs, mais on va faire ça à l'établissement sûrement de l'Underground. Ok, ah oui, l'Underground, ok. Donc il y aura des compétitions qui sont organisées pour les personnes qui ont des licences, donc n'hésitez pas à faire passer le mot. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, mais vous êtes le patron de l'Underground? Ouais, c'est ça. Oh, c'est trop tard. Quoi? Il s'est moqué. Quoi? Pendant t'es un peu con quoi. Il s'est moqué parce que j'ai dit l'Underground. Oui non mais ouais. Ouais vraiment, voilà. Mais pas de problème, ouais. Ça, oh excusez-moi monsieur. Business is business les gars. Alors Feco, cache. J'ai dégoté un contrat d'exclusivité avec l'hôpital. C'est pas vrai. La vie c'est vrai. Pour te faire vacciner le cul. Non pour les burgers. Pour le burger. Ah ouais? Incroyable. Ça rigole pas, ça. Ça rigole pas. Allô? En gros, il faut qu'on leur fasse un devis. Et ça va? Si il a dit, moi je cherche pas à comprendre, je prends le moins cher. Ah ouais, bah oui. Le Clucking Bell qui vient d'ouvrir, il vous fait concurrence ou? Bah, en fait, sachez que le Clucking Bell, il est inexistant comparé à nous. Ouais. Ouais, est-ce que vous voyez quelqu'un du Clucking Bell? Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas. Mais ça tombe bien. Si je vous explique ce qui va se passer. Vous allez rentrer là-dedans. Vous allez faire. Il y a quelqu'un. Et après, on va dire ah, la friteuse, elle est en panne. Ah, le poulet, c'est en panne. Et après, vous allez faire ah, c'est dommage. Putain, le burger shot, c'était cool quand même. Moi, je viens ici parce que Wilson m'a convaincu sur son régime alimentaire. Voilà tout. C'est quoi votre régime alimentaire? Bah, vous avez vu votre patron, monsieur Wilson. Il mange du fast-food depuis qu'il est né, et maintenant il fait du bodybuilding. Ouais, monsieur Wilson. Ouais. Après, Burger Shop, c'est une franchise. Bien sûr. C'est le patron de Burger Shop, je crois. Ou de si aussi, je suis plus sûr. Non, je sais pas comment ça fonctionne. Tout le monde me dit l'inverse, c'est son contraire. Mais apparemment, il y a quand même... Pas sûr. Je vais juste aller faire pipi. Ouais. Ouais, je vous dérange pas plus. Bonne soirée, ouais, messieurs. Pareil, on se tient au courant pour tout ce que tu nous as parlé. Ça marche, ça marche. Quoi, Funko, quoi? La musique. Ouais. Ah, il y a le Burger Shot qui. Le Burger Shot qui reçoit une commande, une grosse commande. Le Burger Shot ou le Clucking Bell? Non, le Burger Shot. Celui lequel? Celui de centre-ville? Ouais, là on pourrait le taper, le prendre. Ah ouais, vas-y. Comment là? Vas-y, quoi, quoi. Là, je suis censé monter une équipe là, vite fait, donc viens. Ah, vas-y. Des combats? Ouais, bientôt. On a l'info d'où il est livré ou pas? Allô? Il me dit, on est en train de le faire, mais du coup, ils vont avoir la chambre froide. Non, mais. Je comprends pas, c'est nous, tu veux qu'on fasse quoi du coup? Bah, qu'on tape le Burger Shot, qu'on prenne la marchandise. Tu m'as dit, ils sont en train de le faire, tu viens de me dire. Ouais, là, faut que monte en équipe, on y aille là. Bah, vas-y, me prends MD avec toi, go, viens, moi, MD. Attends, il y a Curtis aussi. Ouais, peu importe, go.
Mais pourquoi le brûleur il est déjà mort là, je comprends pas, on l'a réparé, ouais, vous cassez là. Ça... Et les thunes les gars, hein, c'est une galère de payer 100 heures toutes les 5 minutes. Hein. Quand ils sont en train de le faire, faut se bouger le cul quoi. Ouais, t'es où? Vas-y, vas-y, nous on a déjà une équipe. Ouais, je suis avec Triga et je suis avec Trent, toi. On va taper quelque chose là, j'arrive. Vas-y, vas-y, prenez une voiture. Ouais. T'as déplacé le Zeke vers la MJC? Non, mais je suis avec eux, je veux dire avec eux. Ok, parce qu'on vient de rajouter 500 balles là encore. Bien vu, bien vu. Attends, parce qu'on doit taper un truc, on arrive, je sais pas, Ok. Mais non, mais attends, attends. Yasko aussi. Yasko. C'est pas moi. Mais de toute manière, on est 4 dans la voiture, il y en a qui vont monter avec lui du coup. Ouais. Ah, je vais avec. C'est où? Je sais pas de quoi. Enfin, c'est où les gars? C'est Burger Shot. Genre, y'a pas. Ah, y'a pas d'autre. Ah, c'est pas une livraison en mode d'ailleurs, genre. Non. Bah, vas-y, go alors. On commence à aller, on va y aller en combat, de toute façon. Quand je commence à aller, tu vois. Vas-y, reviens. Il m'arrive une dinguerie là. Ouais. T'as ton pétard, c'est bon? Ouais. Mais là, c'est débile parce qu'on est trois équipés d'un pétard. Mais je vais monter avec eux. Ouais, ouais, on me dit. Y'a qui avec toi? Asco, du coup. Je monte avec Curtis. Et y'a Trey, je pense, toi aussi, non? Vas-y, jusqu'où? Vas-y, vas-y. Mais je récupère Trey. Allez-y, j'arrive, moi, je vais chercher Trey. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. On n'importe quel man au quartier, on s'en fout. Ouais, t'es où? Vas-y, on te prend, vas-y. Y'a quoi? Bah vas-y, on va taper le... Bah, j'ai pas de gun, hein. Oh, merde. T'en fous, nous on en a deux et toi tu cries derrière. Vas-y, je me change dans la caisse. Ferme la porte, s'il te plaît. Ouais. Hop, je prends la poignée. Je tire là. Oh, c'est bon. On va aller fermer la porte, y'a pas de chier. Hein. Ah non, il y avait trop de vent, j'arrivais pas à tenir. Non, j'appelle Funko, je le préviens parce que je l'ai pas prévenu. Vas-y, ils vont continuer à faire des burger shots avec HK, je sais plus c'est tout. Oh, wow. Ouais, je suis parti faire un truc vite fait, je suis là dans 5 minutes, t'inquiète. Ah merde. Bah ouais, mais je t'ai dit de me les prendre en plus, t'es con. Ah merde. Bah va en chercher au pire. Lui qui va en chercher. Dis-lui d'appeler Young au pire. Et Lung... Appelle Young et dis-lui. On va arriver, Kershi. Non, mais appelle Young et dis-lui d'aller en chercher au pire. Vas-y. Vas-y, on se met un peu au long, vas-y. De le faire vite et bien parce qu'on est au centre-ville et à tout moment, bon, tu connais. Hein. Ouais, attends, les autres ils sont à la station d'essence. Bah, c'est là qui est à droite, c'est qui est derrière. Okay. Parce que centre-ville, il y a les cops qui passent à 40 000, hein, donc bon. Ouais, on est garé dans une ruelle juste avant le Burger Shot. Tu la vois la livraison aussi ou pas? À Kunzit Street. Je crois que ça a déjà été fait, hein. Il y a une rampe et tout. Mais les gars, attendez, juste attendez, s'il vous plaît. Ouais, mais toi, tu te gardes. On sait que genre ils ont été livrés, donc on va prendre dans le stock. Ok, mais tu veux faire ça comment? Parce qu'en gros, si on nous voit braquer de l'extérieur, ça va appeler direct. Hein. La livraison, c'est facile de taper, mais taper quand ils sont servis, déjà, c'est compliqué. À l'heure actuelle. En gros, c'est quoi la strat que tu veux mettre en place? Je vais rentrer, taper dans le stock et ressortir, c'est tout. Ok. Bon. Un masque? Ouais, j'ai un masque. Est-ce qu'il était pas fan? Non, du tout. En vrai, pourquoi pas? C'est juste qu'en fait, à tout moment, il y a un mec qui va pour aller manger, tu vois, et il voit, et là, c'est une galère parce qu'il va appeler comme ça. Ouais, il reste dehors. Je vais rester sur le volant, c'est pas la question. Ouais, ouais. Il y a Wilson. Il y a Wilson en plus. Il y a Wilson, Kirsi, il y a Wilson. Ah, mais il nous connaît, Wilson. Donc, Ah, mais Wilson, c'est Wilson. Au pire, on kidnappe Wilson. Ah, les gars, on va commencer à faire des soit on fait le burger, soit on fait Wilson. Non, mais soit on va direct dedans, soit on kidnappe Wilson et on lui dit de faire tout sortir. Mais Wilson, il est en marché dehors, là. Ouais, mais c'est le patron. Donc on le chope, on le met dans la chop, on lui dit, il y a du monde dans le burger shop. Ouais, mais regarde, il est loin, là. Soit on le chope et on lui dit de tout sortir, soit on va dedans et je pense qu'on a plus de chances. Mais vous êtes où, mon frère? Ah, mais il est au téléphone. Oui, il est au téléphone. Oh merde.
Après, le truc, c'est quoi? C'est que. Derrière le burger shot. Ouais, mais en fait, tu veux taper le zone pourquoi, Trish, comment voir? Bah, pour lui dire de faire sortir les burgers lui-même. Ah oui, oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il prend un camion, il met tout le temps et. Tu connais. Parce que le braquet, il y a plein de monde dedans là. Il y a des camions là. Ah, il y a des camions. Ah, mais c'est pas. Ouais, c'est la livraison, elle est maintenant, c'est bon, parfait, mon timing. Attends, là, ça va, tranquille alors. Enfin, ça va être plus facile, on va dire quoi. On faut être vif, les gars, faut pas mettre 300 euros. Ouais. Même quitte à prendre qu'une partie, on prend pas tout, on s'en fout parce que on est pas centre-ville là. Donc ça va vite arriver derrière. Mais tu penses que c'est dans le camion? Bah, j'en sais rien, je vois pas trop ce qu'il peut mettre d'autre, mais. Bah, je sais pas. C'est comment pour. Ouais, y a des camions là, je crois qu'ils livrent, non? Bah, c'est ce qu'on te disait, oui, je sais pas. Oh, ton téléphone. Vas-y, j'essaie d'attendre, je vois la confirmation avec Ten. On tente ou pas du coup? Putain, j'ai pas de gun, je me sens pas bien. Ouais, il reste deux camions, c'est ça. Trois camions. Peu importe, on s'en fout, mais il faut y aller maintenant dans tous les cas. Vas-y, go taper, Curti, hein. c'est ça, il reste deux livres. Ouais, vas-y, go. On tape le dernier, on tape lequel? On tape après. Ouais, on tape les camions. Et on tape lequel? Ah, les deux là. On en prend deux. Ouais, y'a plus personne devant. Vas-y. Hop, faut. Vas-y, bref. Ouais. Vas-y. Bon. Attends, je peux pas sortir. Ah, c'est bon. Lève les mains. Lève les mains, viens ici. Viens avec nous. Quoi dans le camion, yo? Parle, y'a quoi dans le camion? Y'a des salades. Y'a que des salades, y'a quoi? Y'a du pain de burger. Pain de burger. Il me faut trop rire. La vie de vie, il me faut trop rire. Ils sont deux, ils sont pas dans le burger. Ouais, mais ça va appeler, donc faites vite, hein. Ça va appeler, les gars, donc faites ici, vite, viens, hein. Ici, viens ici, toi, là. Les gars, il y a les sirènes déjà, hein. Faut bouger. Ah, excusez-moi, les gars. Ça les crasse pas. Oh là là là. Roule. Vas-y, monte. Vas-y, roulez, on se casse. Comment? Péter ou quoi, c'est con? Ils sont pas fait péter quand même, ils sont pas assez con. Hein? Ah. Ouais, vous êtes où? On est au quartier. Avec le camion? Non, c'est Trigger qui a le camion. Il est où, Trigger? Il répond pas. Je crois qu'il doit. Il est au téléphone avec Curti, donc c'est pour ça que t'as pas dû l'avoir. Ok, bah dis-leur de décharger en vitesse. Mais j'ai un plan en fait qui décharge pas de suite, attends. J'ai une idée. Curti, il a dit de venir au quartier en tout cas. Mais pas avec le truc, hein. Ramène pas le camion. Curti dit à Triga qu'il doit pas ramener le camion au quartier. S'il a une idée. Mais de tous les cas, donc même si l'idée elle est pas bonne, il ne faut pas le ramener quoi, dans tous les cas. Qu'il le pose dans une ruelle dans le. Vas-y.
Eh, j'ai une idée. Déjà, bon, ramenez pas au Bronx, logique. Enfin, ramenez pas dans le Hood, c'est logique. Mais. T'inquiète, le camion, il est parti dans le Bronx quelque part et il va nous appeler. Ok, pas... et du coup, en gros, j'ai une idée de fou. En gros, viens, on se change tous. Et, on, ouais. Et en fait, on fait comme d'hab. En gros, on prend juste une partie de ce qu'il y a dans le camion. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on s'en fout. Et après, moi, j'appelle le mec des docks en disant qu'on a récupéré une truc de chez lui et on a déglingué des mecs qui voulaient taper dessus. On l'a récupéré, ça, tu vois. Et on dit c'est des mecs habillés en rouge, bah on sait pas trop qui c'est, tu vois. En gros, on les a vus passer vers le Bronx. Le logique, nous, quand on voit ça, bah on vérifie qui c'est, tu vois. Comme ça, on leur fait porter le chapeau, tu vois. Potentiellement à des loups, peu importe, mais pas nous, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Après, ouais, mais le problème, c'est que là, on était en rouge et tout, donc du coup, ils ont un petit peu. Enfin, ils vont faire le lien entre nous et. C'est pour ça que si on se change direct et qu'on va lui ramener son camion en disant qu'on a vu des mecs qui étaient en rouge, ça reste raccord et il se dira pas, ils sont pas assez ravagés pour nous appeler pour nous dire ça. Tu vas suivre ou pas? Parce qu'il y a plus de chances, il y a plus de chances qu'ils remontent à nous en se disant ça peut être eux plutôt que l'inverse, tu vois. Bref, ouais, vas-y, ouais. Bah go, attends l'appel de trigger, vas-y. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, yo, ça raconte quoi? On a tapé un camion là, monte dans la chope. Vous avez tapé un camion? De bouffe. Ah ouais? Ouais. Oh, il allait où? Ah, il y avait quoi dedans? Ouais, je sais plus, mais on va regarder, j'attends la position là. Ok, lourd. Bah, nous on a refait 500$ tout à l'heure là. Où ça? Et voilà, on commence à être pas trop mal hein. Pas répondre au tel, lui. On a croisé les Wu aussi qui étaient en train de vendre. Ouais, du coup, tu t'es posé où? Je suis encore en route là, on a eu un petit accident sur la route. T'es vers le Bronx ou pas? On arrive au Bronx là. Parce que t'as vu, j'ai une bonne. Hey, je vais tirer dessus, casse toi. Viens, tu vois ou pas, en gros, le parc, ok? Ouais, le parc, en gros, va comme si t'allais. Tu vas arriver par le pont de North Wood? Tu vas arriver par le pont de Northwood ou pas? Non, l'autre. Lequel? De côté H-Block? Ouais. Ok, bah va comme si t'allais vers le pont de Northwood, c'est bon? T'as dans devant, okay. Vas-y. Fais gaffe quand tu passes chez la... Prends l'autoroute sur le côté, t'as capté quoi? Derrière chez l'H-Block, passe pas au milieu quoi. Ouais, ouais. Vas-y, bien vu. Venez au niveau du parc là. Au niveau du parc? Ah, parce que Curtis il a dit dans le chantier abandonné en bas du Bronx là. Non mais j'ai déjà appelé Trigger moi, c'est bon. Trigger, ok, et c'est où au parc? Oui, juste à côté. Ok, vas-y. Parce que le pont tu connais, on voit d'au-dessus là. Vas-y, ça marche. Très gars, il arrive. Là, juste derrière nous, il y a un petit parking surélevé. On peut faire monter le truc là-dedans. Vas-y. Allô? Ah, bon, on arrive. Ah, tu l'as envoyé du coup le côté? Vas-y, viens, maman. Mais bah, je vais dire. Oh, les contre-com. Oh, je vais péter ma tête. Ça y est, ils m'ont cassé les couilles. Enfin, au chantier, c'est le où le chantier, bande de cons. Oh là là là. Au chandouille. Et la vidéo, mais c'est...
Va te faire enculer, sale fils de pute. J'espère que je vais te trouver, je vais te canner, sale fils de pute. Va. Faire des gauches-droites comme ça, là. Non, c'est pas là où je pensais, ça va. Wow. On a des calls, vraiment. Il est où? Bah, on est là aussi, vous êtes où? Je l'avais dit au parc en plus, je sais pas pour vous changer les calls. Hein. Oh, vas-y. À droite, là. Bizarre ce qui se passe sur l'écran là. Ouais. Oh! What the fuck? What the fuck? Wouah! Ouais, t'es épileptique, hein. Non mais là c'est chez nous les gars. Oh mais ils sont bouche en ouïe en fait. À gauche, à gauche. Eh mais vous êtes sérieux à le ramener ici le camion ou pas? De ouf, ils voulaient pas le ramener ici. Mais vous êtes... On m'a dit dans le sud. Attends, mais, ouais, ramène... mais c'est pas les c'est gars, pas, apparemment c'est pas il est vide, apparemment il est vide. Il est vide, il est vide. Check qu'est-ce qu'il y a dedans. Y'a rien dedans. Ouais, mais là, ouais. Okay. Ah, je le jette à la mer. Ouais, tant pis, bah nique sa mère pour le plan. Là, on jette à la et mer. La prochaine fois, ramenez pas les trucs. Y'a le champ de lutte à 2 mètres, les gars. Ramenez pas les trucs ici. Hein. Non, mais c'était pas ici de base, c'était l'autre côté, tu vois. Mais ouais, quand je parle à celui qui prochaine fois. Triga, viens ouvrir la voiture. On a fait ça. Donc on a fait ça pour rien là, en gros. Let's go. On va la jeter à l'eau, on va la jeter à l'eau. Non, jette pas à l'eau. Si, on est baisé. Non, on a vu juste les empreintes. Il y a quelle empreinte? On est dans une quête criminelle. T'es ganté. Moi, je suis ganté, moi. Bah, c'est bon, là. Ouais, mais on le laisse pas ici, non. Attends, parce que si le laisse ici, je vais lui insulter ça. Non, ça y est, c'est trop, j'en ai marre d'être avec des... Attends, juste enlève-moi d'un doute, juste comme ça là. Ouais. Vous comptez pas le laisser là quand même, le Camtar? Bah non, mais Triga, oui. Mais Triga, t'es sérieux là? Mais quoi, t'es sérieux? Dans de bouge, quoi dans bouge, mais réfléchis, dans bouge. C'est la weed ici, mon frère. En fait, en gros, ils vont faire le rapprochement, les man, après, s'ils voient un truc ici. On sait jamais c'est qui peut passer par là. Pour ça, faut le jeter à la mer. Mais attends, j'essaie de mettre les clés dedans, moi. Dommage qu'il soit vite, parce que j'avais une idée de fou. On va mettre dans le coffre. Attends, quoi que. C'est bon? Non. Au pire, passe-moi les clés. Je m'en occupe, moi. Vas-y, tiens. Je suis là, je suis derrière, je suis là. Arrête de bouger. Arrête de courir. T'es où? Non, le jette pas. Pourquoi je le jette pas? Lâche-le quelque part, je dirai à Ten, c'est où? Je demande à mon OG. Non, mais de toute façon, Ten, c'est moi, je suis dans OG. Et Ten, de toute façon, il voulait le voir. Ok, je le cache. Et vas-y. Tu veux le cacher à l'autre chantier, du coup? Vas-y. Tu vois Sam, du coup, maintenant? Oh, quoi? Malcolm, il a tué un gosse, un enfant de 12 ans. Il s'attaque au petit, lui. Et personne s'est fait péter, on est d'accord? Normalement, non. Dommage. Je pense que c'était dans les cartons. Hein. Mais je pense qu'il y a des trucs dedans, c'est juste que. Bref. Non, moi, je pense que c'était. Il y avait des palettes là. Je pense que c'était sur. Mais il y a personne qui a vérifié, mon frère. Bah, j'étais conducteur, donc je sais pas pourquoi je me dis ça. Mais c'est pour ça, c'est pas. J'ai demandé à tout le monde de vérifier là. Après, ça a été fait à l'arrache un peu. On va penser à se changer aussi. Hein. Ah, tranquille, moi. Je vais pas bouger d'ici, putain, je suis là. Ah, même voiture, même habit. Ah ouais, je cherche deux meufs et deux mecs. Non, mais je peux pas pour mon image, en vrai. Ça dépend combien ils payent. Une image de quoi? Elle te propose quoi, la meuf? Ouais, salut bien.
Non, c'est le cabaret qui recherche des danseurs et des danseuses. Ah bah si. Mais ça dépend combien ils payent. J'ai appelé l'INSEE. Ils dansent bien en plus. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as twerké ? Non. Tu m'as donné mon menu ou pas ? Ah ouais, merci. Ça va ou quoi ? Ouais, ouais, je te. Ça dit quoi ? Allo l'INSEE ? Là, tu connais. Hein, ça va. Moi, si tu veux, je peux venir me trémousser, mais ça dépend combien tu payes. Ça tue, quoi. Ça marche bien. Ouais, on essaie de faire en sorte que ça marche. Eh ben. Mais mettez des frites à la place des chips. Hein. Ouais, non, mais tu connais, c'est la. C'est compliqué, les temps sont durs. Bah, c'est vraiment mais que Zoé, mais. Hein. Mais tu te crois où là ? Bah, ça va, y'a personne. Tranquille, c'est le bon, je t'en fous. Mais bien là, non ? Ouais, après, j'avoue que. Ouais, je suis propre. Hein. Ouais, mais t'as vu tes fesses là où tu mets la nourriture, même si t'es propre. Après, tranquille. Enfin, moi, je mange pas sur la table, mon perso, tu vois. Après, ils vont penser qu'on fait de la viande saignante. Du coup, c'est qui ? C'est tes collègues de je sais pas quoi là ? Tes collègues de colonie là ? Ouais. C'est cool. Bah, Miguel, il a BTC. Ouais, Miguel, bah, je sais. C'est un vadrouilleur. Et ouais. C'est sa meilleure amie à côté. Ok, bah écoute. Et c'est une future chanteuse. Future ? Ouais. On va faire un duo. Ouais. Oh, Malcolm apparemment va donner une réponse en freestyle au Clock in Bell de Northwood. Mais non. Mais on y va ? Ben vas-y. Il va dire quoi ? J'ai pas tué un enfant de 12 ans, cet enfoiré. Là. Non mais la honte quoi, sérieux. Bon bah go alors. Adieu Zoé, clin d'œil. A tout à l'heure les loulous. Ciao. Je t'appellerai plus jamais bébé, salut. Oh. Adieu. À quel âge ? À 14 ans ? Non ! Quel âge ? Non, c'est parce qu'on a fait un. Dans le son, on dit ça. Ah, ok. En gros, les paroles, voilà, c'est. Je l'ai trompé. Et elle a la mort un peu, tu vois. Ok, ouais, c'est. Ça marche. Ok. Bah écoute. Ok. Écoute. c'est vos délires, hein. Moi je m'en fous. Comme je t'ai dit, tant que tu me ramènes de l'argent à la fin du mois. Wow, t'inquiète. Hein. Tu vas te faire passer pour un trompeur, c'est mon problème. Hein. Ah, tant que je passe pas pour un planteur. Ouais, aussi, oui, de préférence. Ah, mais l'autre, c'est chaud qu'il a tué une gamine. Ah, yo, ça, on sait même pas si c'est vrai. C'est assez Twitter, c'est vrai. Hein, les gars. Tu peux raconter n'importe quoi sur Twitter et sur la presse. Hein. C'est bien vrai. Je viens de partir, mais quand leurs avocats, ils sont lents de ouf. Franchement, c'était tranquille. Hein. Non, mais c'était juste pour savoir si tu voulais bien. Ok, non, tac. J'ai des cheat codes pour plus payer mes. Enfin, c'est pas le plus payer mes amendes. Je suis tout en Gucci. Ouais, ok, direct. Vas-y, bien vu, ciao. C'est où qu'on est ? Ya, c'est bon, les frères. J'ai signé au Rockford. Hop, j'ai un studio. Et le contrat, il arrive dans la semaine. J'ai mis l'emplacement du camion sur le post-it. Et c'est quand que t'as mon billet, du coup ? Bah, quand je signe. Ok, ouais, comme Funko, quoi. Ouais, mais comme leur avocat, il pue la merde, apparemment. Bah, écoute, on verra, hein. Et Abby, c'est ma manager aussi. Oh non ! Ouais, je lui ai demandé, comme ça, vas-y, les contrats, j'y connais rien, moi. Oh, plus Abby, elle met bien à chaque fois, donc vas-y, s'en fout. Hop, ouais. Aïe, putain, je me suis fait niquer le coude. Ah ! Aïe ! Ma bande de petites salopes. Ouais, le pilote de ouf. Ouais. Quoi tu. Putain, il conduit tellement bien, intrigant en vrai. De vrai de vrai. Vu le temps qu'il a mis arrivé, ça m'étonnerait. Merci. Non, vraiment, il conduit bien. Oui, d'accord. Ouais. Après, c'est pas ça. Toi, t'es jaloux. Pourquoi pas jalousie, on a payé 500$ parce que tu sais pas tenir un volant. Toi ou Curti. Ah. Comment ça, 500$ ? Qui est le fautif ? Je crois Curti qu'il y a un temps de l'oracle. Et les réparations des caisses, je crois que c'est qui a payé. Ouais, par la Curti, pourquoi tu me parles ? Peu importe qui c'est. Apparemment, les petits, ils ont chopé un H-Block là. Sérieux ? Ils me la ramènent. Hein. Ouais. Ramène-le, on le dépouille. Moi, ils m'ont ramené la dernière fois. Ouais, ils m'ont ramené, moi. Ce qu'il fait, il faut des dingueries, moi, je lui casse les jambes, ramène-le vraiment fort. Hein. Ils ont enculé Kush, ils l'ont. Non, on va l'enculer fort. Surtout qu'ils ont fait. Rappelez-vous aussi qu'ils ont fait sauter MD depuis chez eux. Ouais, ils ont fait sauter MD aussi.
Oh, vite ma mère, je vais faire sauter du toit. Où ça va? Non, mais je le fais pas sauter. Je vais le... Non, mais écoute. Ah, tu vas le pencher. Je vais le mettre de l'autre côté de la barre. Je lui dis, je prends mon marteau, je lui dis, écoute, fils de pute, je vais te taper sur une main. Bam, je casse une main. Là, il va se tenir à une main. Mais non. Il va tomber. Après, il tombe, hein, c'est de sa faute. Je vais poser la bouffe parce que j'ai trop de bouffe. Après, on peut. Ouais, non. J'avais une idée, mais je sais pas si c'est trop ou pas. L'ajouter du pont, moi, j'aurais dû l'acheter. Bah, en fait, le pont, je me dis, tu vois, il peut crever. Mais le jeter du haut des rails, en vrai, ça m'a l'air d'être la même hauteur que ce qu'ils nous ont fait. Hein. À voir, de toute façon, déjà qu'ils le ramènent. Parce que jeter du pont, j'y ai pensé aussi, tu vois, mais. À tout moment, c'est le dernier truc qu'il va voir, quoi. Tant pis. Mon problème. Oh putain. Et donc t'es devenu une petite salope, je tiens à dire. Depuis que tu t'es fait telge. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ouais, ça c'est grave. Je pensais que tu t'es endurci. Allez, à plus. Je te rappelle qu'ici, si on doit bien pas être vrai gangster, je suis l'essence même du réel dit, mon pote. Hein. Moi, je plante des mecs, je m'en bats les couilles. Hein. Une salope. Vous êtes là, vous avez planté personne, vous faites les grands guerriers avec moi là. Ah, raison, ça va commencer ce soir. Youngbir, tu t'es fait kidnapper comme une salope, oublie pas. Vous êtes des grands joueurs. Ok, ouais, c'est bon. Viens. Non, mais c'est bon. On a pas le droit de rigoler. J'ai planté personne. Non, c'est bon. Non, t'as planté, c'est vrai que t'as planté. Comment il s'appelle, le Funko, la dernière fois? Alors, évite de dire des trucs que tu vas regretter. Tourne ta langue. Oh, pardon. Le Klux machin là. Tel quel, il est où? Vous êtes habillé pareil. Il s'appelle comment? Il s'appelle Klux. Il est où? Lui là. Ouh, lequel? Lequel? Oh. Voilà. Oh, remets pas tes lunettes quand je te frappe, enfoiré. Ah, il est résistant, putain. Mais. Putain. J'ai presque mal à la main. Voilà, c'est bon. Mais lui, il va tellement payer pour Andy. Ouais, il lui a payé pour tout le monde. Il est pas prêt. Je jure qu'il va payer. Toi, tu sais nager ou pas? C'est trop gentil, moi ils m'ont plâtré une jambe. Ça marche pas très bien. Ah bah tant mieux, tu vas voir la tasse, enculé. Lève-toi, le te montrer, me montrer ton cul. Ouais, remonte ton pantalon, s'il le. Vas-y, go. Regarde, toi, c'est. Ouais, moi j'ai pas oublié. Hein. Ouais, 300 dollars. 300 dollars, bouffon. Oh, t'es un bouffon. Ah là, toi, si tu rentres chez toi en vie, ils vont te fracasser. N'oublions pas la petite photo pour Twitter. Il s'appelle comment? Je t'appelle comment? Curtis. Là, je vais appeler Arv au passage, je vais lui chier sa gueule. Et remettez tout sur Twitter comme d'habitude. Oh, on va le mettre. Tu sais quoi là-bas, Curtis? Comment ça? Je t'en garde du quartier là. Avant. Il a jamais son téléphone. Femme quoi? Il prend trop cher! Ouais. C'est bon! Fais baiser toi! Crois-le! Ouais! Pas espoir, fils! Hein. On a tellement de trucs à rattraper avec vous! Hein. Déjà, ah non, mais ça c'est. Non, mais attends! Ça c'est une bonne hauteur pour en fait! Ouais, ça m'a l'air! Répondre ce chien ou pas? C'était comment? Ouais, espèce d'enfoiré! Ouais, mon fils, dis quoi? Dis pas mon fils. Tu connais. Oui, d'accord. Tu connais. En parlant de tes fils d'ailleurs, tiens. Tu connais un petit. Un Curtis, c'est ça? Curtis? Ça te parle ou pas? C'est un habitant, ça, ouais. Ah, c'est un habitant? Ouais. Oh, okay. Oh non, tranquille, je vais le noyer du coup. Si c'est qu'un habitant, c'est bon. Moi, le fais ce que t'as à faire. Ça marche pas. Ah, il a fait quoi? On sait, il a fait quoi? Bah, il existe, c'est tout. Il dit qu'il vient d'H-Block. C'est un problème. Ah! Ok. Bon, vas-y, traîne. Et m'appelle plus. Il est en mais je te rappelle dans 5 minutes pour autre chose, c'est bon, tu vas rien faire.
et tu vas décrocher. Ce genre, je vais t'appeler, ça sera pour te, tu vois, pour t'annoncer qu'il y a des gars, il y a, tu vois, Kelly, Kelly, Sizzlock. Tu débites un pas. Je débite, je débite. Merci Funko, t'es un bon. Pas de soucis, c'est les stocks du truc, hein. T'inquiète. Tu veux, Trent? De quoi? À boire et à manger. Oh, merci, c'est bon. Pip pou pip. Oh, ça l'a buté, c'est nul. Tant pis, on fera avec ce qu'on a. Eh, je peux lui burner dessus pour lui faire une grosse brûlure. Ramène au Panton là. Je sais, je suis derrière toi. Quoi? Pourquoi je m'appelle alors? Arvin, mais. C'est quoi une tarasse? Oui, reste vivement, tu vois. Du coup, moi, les cops, quand ils m'ont demandé c'était qui mon tuteur, j'ai dit que c'était Abby. Comme si c'était qui payait mes amendes. Ah, ouais, dur, t'aurais dû dire Santana. Mais non, parce que ça, ça aurait été craint, parce qu'il fallait que je donne un... Trop fort. Si j'ai vraiment eu revenir dans le droit chemin, tu vois, bah, elle s'arrangerait avec la mienne pour que ça devienne vraiment ma tutrice, tu vois. C'est même pas moi qui ai mis la musique. Là, je sais pas qui c'est, j'ai juste dit trop fort dans le sens. Non, mais je sais, mais elle s'est lancée toute seule sur l'autoradio. En gros, je paye plus jamais d'amende, parce qu'à chaque fois, ce sera elle qui doit les payer, tu vois. Vas-y, carré, carré dans l'axe. Hey, Tren, t'as vu ou pas Malcolm? Ou Malcolm ou pas. Oh Trent. Je t'écoute. Mais je t'ai posé une question, je t'ai dit, t'avais vu pour Malcolm ou pas? Ah oui, j'ai vu. Tu l'as rappelé pour le faire chier un peu. Bon, les couilles, je l'appelle pas lui ce bouffe. Ouais. Ah ouais, c'est pas son pote. Bon. J'ai un beau marteau. Hein. Bah, regarde sur Twitter, redescends, tu vas voir. Attends, mais déjà, pète-lui les doigts là, il va mettre ses mains sur la. Non, c'est AMG de faire, c'est AMG de faire. Oh. AMG, tu veux lui casser quoi? Attends voir. Vous voulez pas le jeter du métro et le destin choisit ce qui va se casser, cet enfoiré? Il a abîmé le visage un peu. T'entends pas, Trent? Ah ouais? Là, tu m'entends là? Ouais, là, c'est bon. Vous voulez pas le jeter du métro du dessus là dans la flotte? Dent pour dent. Comment on dit, jeu pour jeu, dent pour dent. Et comme ça, après, le bon dieu choisira 6 casses. Hein. Péter une jambe aussi. J'aurais pu péter une jambe. Ouais, j'aurais pu péter une jambe. Au pire, il y a la moto en haut. 5 à cause de vous, bande d'enculé. J'ai une putain de fracture en ma jambe. Ah, les gars, c'est ce qu'il a à faire. Vous avez un marteau, vous avez quelque chose? Zéro, c'est un marteau. Moi, j'ai ça, mais ça coupe. Au pire, t'as lu la gueule, hein. Si tu veux, j'ai un petit couteau, moi. Je dis, en plus, il est mignon, tu vois. Il est mignon. Tu lui fais celui de marque indélébile, hein. Tu lui fais le sourire, boy. Tu lui fais un petit neuf sur le front, ou j'en sais rien. Non, c'est bien, non. C'est quand même jeter un mec de chez nous. Eh, j'ai dit non, nique ta. Eh, j'ai dit non, nique tes. Fermez-la, vos gueules. J'ai dit non, c'est non, vos gueules. C'est pour lui faire peur, yo. Non, mais je te parle de Young, là, ce con, là. Il a dit quoi, Young? Donne-moi ton genou, donne. Le gars, il fait le gangster, il me dit, va le taillader. Écartez-vous, faites attention. Vas-y, écartez-vous, là. Écartez-vous, on sait jamais. Toi, ton genou, là. Mais ça bien, MJ. Voilà, et maintenant, fais passer le mot tes man. Voilà, et là, il risque pas de faire passer grand chose. Va le chercher. je peux pas, j'ai mon plat, Récupère-le vite. Je peux pas, j'ai un plâtre, les gars. Sous l'océan. Prends-moi le marteau, frère. Il arrive, pas à le remonter. Récupérez-moi. Oh, les abrutis. Fais un coup, il va pour ce kéga, c'est lui qui meurt. Voilà, c'est ça. Funko le dauphin. Oh les dauphins. Vas-y, hein, vous connaissez, hein, y en a un qui prend en photo et on retweet tout ça. Vas-y, on va le donner derrière. Ah non, mais. C'est toujours plus. Hey, tu sais pas ce qu'ils nous font là-bas. Vraiment. Ouais, fais ce que tu veux, ouais, m'en fous. Je peux te dire que ma chute elle était. Ouais. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Juste t'as y a des postes. Y'a personne qui peut prendre une vidéo, on le fait crier Niner Gang. Non. Attends, Trigger, monte. Écartez-vous, mais non. Il est là, là. Enfin, il est là, oui, ça c'est sûr qu'il est là, mais. Attends, on voit pas sa gueule, là, je suis pas content. Bah, t'es mon lit de prendre la pose au pire. Vas-y, mets-toi sur le dos, là.
Mets-toi sur le dos. Mets-toi sur le dos. Tape la pose comme une pin-up. On the back. Ça va ta jambe, man? Pas trop mal. Je vais t'envoyer une golden. Je te dis on the back, on the back. Mets-toi sur le dos là, dépêche-toi là, je veux voir ta gueule. Je t'ai pas demandé de poser non plus. Hein. Enfin, il pose l'enculé, on est sur Vogue. Carré. À côté de lui là. Attends, attends. Oh, tu fais, tu fais. Oh! Oh là, mais quel... lâche-moi là. Moi oh, c'est carré. C'est bon? Ah ouais. Alors on ramène ce petit bâtard, déjà il est bien chanceux, je le porte. Hein. Ah quel plaisir de se venger. Mérité, mérité. Tu savais combien de temps j'attends ce jour, man. Ah, c'est qui qui le met? C'est qui le met le tweet? Ma moto. Dommage pour toi, Curtis. Hein. C'est qui le met le tweet? Super. Parce que si je le mets, c'est moi je vais me faire pull-up. Mais vas-y, moi je suis un bonhomme. Vas-y, bah ouais, voilà. Voilà, bah. Mais toi, toi, tais-toi, toi. Pardon, pardon, référent. Vous l'avez pris au lieu au garage, là? Bon, un peu avant le garage. Elle est lourde, ce gros tas, là. Putain de merde. C'est vrai que la gueule, ça aurait été pas mal aussi, hein. Eh ouais, faut lui briser les genoux loin, loin du parking. Ta. Help me. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, okay. J'avais beaucoup de questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, parfaitement bien. Je suis Aristote Gabras, le plus grand avocat de la ville. Enchanté. Demain, moi, c'est Funko, l'artiste le plus influent de la ville. Eh ouais, mon gars. Oui. Ouais. Tu veux dans quel orchestre? Dans le Rockford. Ouais. Ouais, je le mets où l'autre, là? Bon, du coup, dans le Bronx, c'est... Bah, bah, écoute. Ça va arriver ou pas? Hop. Les gars, je vais cut parce que j'ai un truc à faire en vitesse. Je me reconnecterai en off après ou je vais rester en jeu mais en off.
Je fais un truc, je vais faire ça. Hop. Et demain, je pense demain après, mais je vais live du LOL. Là, je vais... Maintenant que c'est bon, j'ai passé mon palier diamant et tout là. Regarde le master. Je liverai tranquillement l'après-midi. Plus chill l'après-midi. Il y aura peut-être plus de monde pour regarder le LOL à ce moment-là. Ah, attends, bah non, du coup. Pas que du coup. Ouais, ouais, bien. Bien et toi? T'as vu avec les autres ou tu m'as pas rappelé du coup? Ouais, ouais, j'ai discuté, mais là j'y vais, là j'ai rendez-vous avec lui, du coup je te rappelle juste après. Vas-y, à toutes. Vas-y. Comment ça, ça fait 10h? Mais c'est la vérité, la dernière fois j'ai dit j'ai fait 10h, quand je le fais frère, c'est juste que là en gros à chaque fois que j'entends y faire, c'est compliqué là. J'avais du monde qui avait le Covid à la maison. Ouais, je vais à Scalu. J'avais du monde qui t'occupait la maison, bref, je vais pas te raconter ma vie, si. T'inquiète. C'est prévu. Juste qu'en fait, le problème étant, c'est que comme je fais des trucs le matin tôt, je suis défoncé le soir. Et non, mais j'ai commencé à raconter, je t'écoute. C'est un fou. Non, mais tranquille, comme j'ai dit. Demain, ça stream du LOL. Soit avant, soit après, mais plutôt avant, du coup, je pense. On va faire la solo queue en live. Et après, on générera sur du RT. Puis c'est tout. Donc naturellement je sais bien compter. Bah t'es une meuf. Je vous donne ça. Non. Mais c'est juste que je dors pas beaucoup, je suis KO. Et j'essaie quand même de live tous les jours parce que j'avais dit que je ferais un fort de live tous les jours. Là si je m'étais écouté ce soir j'allais même pas là parce que j'étais vraiment défoncé. Donc Mais vous inquiétez pas. LOL ça va même être plus souvent que le RP en termes de stream. Je pense je vais stream le soir avant, enfin le stream l'après-midi avant et le soir le soir. 2, donc il m'en reste. Ah, donc pas t'écouter. 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez trop faire ça. 2, Ouais, j'ai préparé ça. Vous avez pas soif là, je peux vous donner des boissons en attendant si vous voulez. Le temps que je prépare les sandwichs. Oui, j'ai vraiment 20 minutes. Ok, je vous donne ça. Alors, 2, bref, je vous envoie chez Calu. Et de toute façon, on se revoit demain plus tôt là, pour du LOL. Qui va les acheter pour lui. Bisous. Le numéro de 6 lock là. À demain la famille. Que j'ai un studio là maintenant, je suis pas enregistré. Tu vas pas toi, est-ce que...